très heureux. Oh, Dieu, tu vas chauffer. Oh, petit ma chérie. Oui. Oh, vous que c'est? Comprimé d'allergie. Comprimé d'allergie, maman. Parce que j'avais l'eau ici, nous gratte ici la bouche. Ouais. Mais pas mon comprimé d'allergie. Bonjour. Quand vous êtes connecté, partagez, envoyez les cœurs. C'est très important. Envoyez les cœurs et partagez. Bonjour, bonjour, bonjour. Dans ce volume-là. Partagez, envoyez les cœurs dès que vous êtes connecté. Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, mes amours. Bonjour, mes amouchous. Bonjour, ma team Asda Chou. Ma team Asda Chouchou. Bonjour, ma team Asda Chouchou. Voilà, envoie les cœurs et partagez mes amours. Ma team Asda Chouchou. Ma team Asda Chouchou. Bonjour, ma team Asda. Ma team Asda Chouchou. Bonjour. Maman, le visage s'y est périmé, Emma. Tu fais comment alors? J'ai envie d'aller acheter mes provisions pour le centre social là-bas à Yaoundé. J'ai envie de voyager pour Yaoundé pour acheter les provisions, non? Des actions sociales pour acheter la nourriture. Vous savez, mes enfants là-bas mangent beaucoup de pommes, des patates et tout et tout. Et puis ça me coûte, ça me revient trop cher quand je paye à Douala ici là. Ça me revient trop cher. Donc j'ai envie d'acheter mes choses en gros. En gros, en gros, en gros. J'ai envie d'aller à l'ouest, aller au centre. Sur la route de l'ouest et du centre, là, pour prendre les choses en gros pour le centre social. Vous savez, mes bébés ici mangent beaucoup, il faut les nourrir. Il faut les nourrir, il ne faut pas blaguer. Chérie Lily, bonjour. Maman Aristide, comment tu vas, ma? Je suis encore au Cameroun, hein. Je suis encore là pour un long séjour. Mais le visa est périmé, maman. Je fais comment? Hilde Aqua, bonjour. Christelle Noussi, bonjour mon bébé. Souke Davod, bonjour. Christine Kila, Emanous, bonjour. Bonjour Abdoulaye Abdallah. Salam alaikum Abdoulaye. Salam alaikum. Comment vous allez, mes amis? Vous avez bien dormi? Moi, j'ai parfaitement bien dormi, mais j'ai un souci, c'est le visa. Dans ma vie, ça donne périmé. Ma visa donc périmée, I don't know what to do. Mon visa est périmé, ma. Et il faut que je voyage moi-même pour aller faire quoi, pour aller faire les courses là. Je n'aime pas envoyer quelqu'un dans mes choses. J'aime voyager moi-même. Comme ça, je connais les prix des trucs. Oui. Très joli dans le gant. Merci Flore, la merveille. Ça c'est même mon habillement d'avant, hein, mes chéris. Hein. Avant même de quitter le pays, c'était comme ça que je m'habillais toujours. Donc je reviens seulement à mon look, c'est tout. C'est mon habillement même comme ça. Osinang, non, bonjour maman chérie. Bio Mora, bonjour. Moro, bonjour. Jackie Moussoudo. Salam alaikum, Jackie Moussoudo. Salam alaikum. Samira, salam alaikum, Samira. Salam alaikum. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Notre page est restreinte. Partagez, envoyez les cœurs. Vous savez que c'est vous qui pouvez travailler sur la page ici là. Partagez, envoyez les cœurs. Je vous donne rendez-vous ce samedi à Tanya Mode. Ce samedi à Tayamo, Tayamo rouvre ses portes dans un autre concept, dans un nouveau concept. La magie. Aristide, je te vois samedi à Tayamo, mon bébé. Viens samedi à Tayamo à partir de midi, maman. Je t'invite pour te rendre belle, pour te faire belle. Tu passes un peu le bon moment avec nous. Il y aura Mousti le charismatique, le grand Mousti, le talentueux humoriste Mousti le charismatique à Tayamo, situé au Carrefour Maison Blanche à Douala. Mousti le charismatique, notre légende sera là, Mousti le charismatique. Le Nyamton boy, l'homme là qui est fort même physiquement, notre chef du Nyamton, oui, Gabriel Nandi, l'homme au concept violent, celui-là même quand il dit tout ça fait fort, le grand là, le Gabriel, le puissant gars, le puissant homme du Cameroun, lui, le plus grand humoriste de sa génération, sera à Tanyambo ce samedi. Ok Aristide, donc tous mes stars qui sont au Cameroun, tous les bengis, même ceux qui résident au pays, et qui se sent que oui, je suis la personne de la reine galloise. Je vous attends samedi, ce samedi à Tanyamo. À partir de midi, on va faire le manicure, pédicule ensemble. On va faire les soins du visage ensemble, maman. Bagnothérapie, sauna. Maman, le goût de ça, on va faire des coiffures. Je vais changer ma coiffure le jour là.
on va faire des coiffures ensemble ce jour. On va fêter. On va, vous allez redécouvrir les locaux de Tania Maud. Elle a fait fort. Cette jeune dame entrepreneuse, la force tranquille du Cameroun, oui. La plus belle de Bangoula Bafang, elle a fait fort. La plus belle de Bangoula Bafang a fait fort. Oui, parce qu'on parlait là. C'est une jeune dame, hein. Une jeune dame, hein? Mais le sexy de ça. La beauté de ça dans elle. Maman, vous voulez voir les lolos, vous voulez voir le derrière, vous voulez voir la formation de la fille. Ah, ce n'est pas ce qu'on parle là. Donc Tania Maud elle-même, c'est la magie. Venez voir Tania Maud ce jour-là. Oui, oui, oui. La beauté qui n'explique pas les choses. Donc venez faire le sauna avec moi. Aristide, on va entrer au sauna ensemble, hein, Mako. Ma copine Aristide, on va au sauna ensemble, maman. On va se saunarer le jour-là ensemble, Mako. Maman, on va masser le corps. Tu vas faire le massage que tu fais ce jour-là. Les filles de Tania Maud, les gars, les jeunes travailleurs là-bas sont des... Donc c'est la magie, l'accueil c'est la magie. Ces employés de Tania Maud, ce sont des... Il n'y a même pas les deux ici au Cameroun. L'accueil de ça, on voulait voir. La gentillesse de ça, la beauté de ça. Venez découvrir ça ce samedi. Allô. À partir de 12h, la reine galloise est sur place. Oui, je serai sur place à partir de 12h, star, pour vous accueillir à Tania Maud. Il y aura même Junior Eyago. Le chanteur le plus célèbre de sa génération, Junior Eyago, sera là. Donc venez voir mes chéris. Ce samedi, le 17, hein, ce 17 même là, ne ratez pas après demain, à partir de 12h. Tania Maud situé au Cameroun, maison blanche à Boulamoussa dit. C'est pas ce qu'on parle là, c'est le rail love. Venez découvrir les nouveaux locaux, ce qu'elle a fait. Aristide, c'est plus comme ça, hein. Elle a changé tout, maman. Elle a tuné tout. C'est une idée aussi, carte de résident. Maman Jackie, aidez-moi, le visa est périmé, je fais comment, aidez-moi, je viens maintenant ici le matin, le direct c'est pour le visa, je fais comment mes chéris, je fais comment quand mon visa est périmé là, parce que moi aller à l'immigration là-bas m'aligner, c'est pas moi, hein. Il y a le monde là-bas, hein. Il y a le monde là-bas jusqu'à faire pas bon, je n'ai pas envie d'aller m'aligner à l'immigration là-haut, non, je dis non à ça, la reine galloise, cette jeune femme d'Afrique, le monument de l'Afrique, oui. Moi-même, la reine galloise, la maman des enfants différents, je ne peux pas aller s'aligner à l'immigration. Je suis désolé. Je ne peux pas aller m'aligner à l'immigration. Bon, je vais rester ici sans visa. Hein. Si on m'arrête, ça cuit, ça cuit. Si on m'arrête, ça cuit, ça cuit. Moi, je reste ici sans visa. Parce que je rentre. Mais quoi, si je reste sans visa, le jour où je vais rentrer, on va me faire comment alors maintenant? Hé, maman, mes copines, si je reste sans visa, si je vais rentrer là-bas, on va me faire comment? On va m'arrêter là-bas, maman. Bonjour Marie Galois depuis le Gabon. Finalement, Tania Maud avait retrouvé le chauffeur. Non, Benjamin, elle n'a pas retrouvé le chauffeur, elle n'a pas retrouvé la voiture. Et je n'ai pas besoin, on ne m'autorise pas de parler de ça sur les réseaux sociaux. Puisque c'est dans les mains des enquêteurs. Donc, je n'ai plus le droit de parler de ça sur la toile, ma. Désolée, maman, mais elle n'a rien retrouvé. Elle est toujours à la recherche. Oumou Kone, salam alaikum. Partagez le direct, non, mes chéris, pardon. Partagez le direct pour que ça arrive à Etoudi, please. Partagez pour que ça arrive à Etoudi. Ça arrive chez moi, Chantal Bia. J'arrive chez le président de Paul Bia, pardon. Partagez le direct. Partagez le direct, mes amours, s'il vous plaît. Partagez que ça arrive à Etoudi. On m'appelle. J'ai envie qu'on m'appelle à Etoudi là-bas pour me donner le visa. Pour m'envoyer où je vais aller prendre le visa sans problème. Comme maintenant un an de visa ici là, non. C'est comment avec eux, hmm? Dis-le de me mettre un an de visa ici là, mon pasteur avec les enfants. Hein, c'est comment? Donc, pour venir travailler au Cameroun, pour venir œuvrer, vous savez, mes chéris, il y a une femme qui écrit sur les réseaux sociaux là. J'ai vu les commentaires, elle n'est pas bloquée. Je ne l'ai pas bloquée parce que je vais dire à cette femme là que si elle vient dans mon direct, dans mes vidéos, mes directs avec le démon, elle va trouver malheur en chemin. J'ai vu que c'est un personnage de Facebook. Si tu viens dans mes directs avec le démon, tu vas trouver le mot. Tu vas me trouver en chemin. Ça ne serait pas moi, c'est mon esprit que tu vas trouver. Donc, maman, mieux tu quittes de mes directs, tu quittes de mes commentaires sur Facebook, tu ne viens plus. Tu viens traiter qui de mendiante qui fait les dons au Cameroun. Tu viens traiter qui de mendiante. Ma chérie, une mendiante qui fait le don au Cameroun, qui fait le don en Afrique, qui mendie pour nourrir le bas peuple, c'est une personne, c'est un amour qu'on ne voit nulle part. Quand tu n'as pour toi de rien du tout, et que tu te lèves pour les 100 voix, ça veut dire que tu as ce qu'on appelle l'amour de ton prochain. Et l'amour de prochain est plus riche que votre argent que vous avez dans les poches. Oui. Quand tu as l'amour de ton prochain, ma chère soeur, ne te perds plus dans les commentaires. Je te vois dans les commentaires de plusieurs sur ma page.
Ce n'est pas ta page. Tu ne m'as jamais vu sur ta page là-bas. Toi-même, tu as les abonnés sur ta page. Donc, mieux tu restes dans ta maison là-bas. Ne viens plus sur ma page commenter les conneries. Que la reine galloise, ce qu'elle fait au Cameroun là, donc c'est du n'importe quoi. Parce que ce n'est pas elle qui doit faire les choses. On a écrit où que ce n'est que les autorités ou bien les gens qui sont riches qui doivent faire les œuvres humanitaires. Et ignorante, je te pose la question. Où as-tu vu qu'on écrit que ce n'est que celui qui a qui peut faire les œuvres humanitaires? Où as-tu vu? Où on a écrit? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que il faut avoir, il faut être riche, ou bien il faut être une autorité pour faire les œuvres humanitaires? Vous n'avez pas honte? Bachem koukou, zingi, bamarangou, batsomangou, batsomangablo, batsomambel, batsomatikoula, bachem koukou, zingi. Donc, ça veut dire que vous êtes tellement étonné de voir une femme, malgré son minimum qu'elle a, elle se lève et elle tient le bas peuple. Ça vous étonne? Maman, vous savez, restez dans vos pages, sur vos pages avec vos commentaires à la con. Restez sur vos pages. Ne venez pas porter la malchance dans mon direct. Ne venez pas porter la malchance sur ma page. Parce que si je te réponds, toi là qui viens t'écrire les histoires là, bah t'as nous. Si j'ignore ton commentaire depuis sans te bloquer, c'est pour te donner le temps encore de quitter, de dégaspirer, de te désactiver de ma page, de partir. Parce que ma bombe, bah t'as nous. Vous ne connaissez pas le genre là. Si je me lève sur toi pour te répondre, même seulement comme ça là, bah t'as. Ce que tu vas revenir me demander les histoires. Donc, ce que tu vas même tuer, même 14 moutons, ça ne va pas suffire. Ce que je vais te demander, mais au moins, c'est même 45 bœufs. Tu vas donner, ça va pas. On va dire que ça ne suffit pas. Il faut partir doucement. Hein. Ne commente plus sur ma page. Je ne vais pas dire ton nom, mais tu te connais. Ne commente plus sur ma page. Et ne traite plus mes abonnés de suiveurs à la con. Ne traite plus mes abonnés de n'importe quoi. Si toi, tu viens sur ma page et que tu vois que c'est une jacaboumbou qui tient les œuvres humanitaires et ça te fait trop mal, pardon, pas. Ma chère soeur, on a écrit où? Où est-ce? Où? Attendez, montrez-moi une loi qui dit que si tu es une jacaboumbou, tu ne fais pas les œuvres humanitaires. L'expérience a montré même que c'est ceux qui ont là qui viennent encore voler. Vous ne savez pas ça. L'expérience a montré que c'est ceux qui ont même là. C'est ces personnes qui sont là bien assis là. C'est ces personnes qui ont des ouvertures. C'est ces personnes qui ont les opportunités d'avoir à tout moment qui viennent encore voler. Vous ne connaissez pas ça. Je vous ai tout dit que quand Dieu lève quelqu'un, il ne voit pas si tu es riche ou tu es pauvre. Quand Dieu destine quelqu'un à une mission sur cette terre, il ne voit pas si tu es riche ou tu es pauvre. Mais le Seigneur voit ton niveau de cœur. Le Seigneur voit l'amour que tu as dans ton cœur avant de te mettre, avant de donner une position. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne voit pas le riche. Dieu ne voit pas le pauvre. Mais le Seigneur mesure ton niveau d'amour. Et ce niveau d'amour-là, tu ne deviens pas. C'est depuis ta naissance que Dieu connaît qui tu es avant de te donner une mission. Ne portez pas la malchance sur moi. Hein? When I don't carry your cross on me. Hein? Ne venez pas porter la malchance dans mon Dieu. Je vous ai dit que partez. Partez, je vous avertis chaque jour. Si vous voyez que ça ne donne pas avec vous, ne commentez pas sur ces pages-là. Parce que, mais que je vous allez partir lire Kanguka. Vous allez lire Kanguka, toute votre vie, ça ne va pas finir. Maatoubi, maman gouta chez moi, je vais maman gouta chez moi. Maman gouta, maman gouta, au clac, maman gouta, au clac, vous avez dit ça fatigué. Donc quand tu viens ici, là, tu vois que ça ne te convient pas. Au lieu de porter ta malchance, ne me fais pas te faire passer toute ta vie à lire Kanguka. Ne me fais pas te faire passer toute ta vie. Aller contacter les prophètes ou bien en Côte d'Ivoire ou au Nigeria là-bas pour te soigner fatigué. Me lavez une tête. Donc quittez de mon direct quand vous voyez que hey, ça ne donne pas avec vous. Ah bah oula maman. Ah bah oula dit, je ne te réponds pas encore. Je n'ai même pas encore écrit sur ton commentaire. Mais mon kiou, si je t'écris, bah danoumou. Si je te réponds, bah danoumou. Si tu vois que la reine galloise, c'est une minable femme qui n'a rien du tout et qui fait les œuvres humanitaires, qui ne sait même pas son niveau, elle doit laisser aux autorités, tout et tout là. De pourquoi les autorités sont dans ce pays-ci, ou bien dans votre pays, ils sont allés aider quel bas peuple avec l'handicap? Je vous pose la question, Somanko. Ah, Somatik ou là? Ils ont aidé quel bas peuple? Ils sont allés dans quel sous-quartier pour élever les enfants handicapés, on a vu. Je dis même bien, même dans ton pays, à toi, Souangabenzoui, je te pose la question, Moumarango. Je me pose la question. Et il y a quelle autorité ici même qui est allée dans le bas quartier pour élever les 100 voix, sortir les 100 voix de la maison avec le handicap? On y a le croix de Nyanga. Bon, Nyanga, le croix de. Ne viens pas porter pour toi ici chez moi. Moi, tout.
Moi, je dis toujours, hein. Moi, non, tu prends mon chance, oh. Je parle avant que ça n'arrive. Moi, je te dis, ne vais pas porter ta malchance. Ah, bah, où là, mon Jean? Ah, où là, dit, ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal, hein? Ah, il y a une chose, oh. Le sanctuaire social va être en l'air. Ah, encore, mon écoute, parce que c'est le sanctuaire social de Dieu. Vous n'êtes pas sûr de vous. What ainsi? On n'a pas le riz cette semaine-là. Mais je sors comme ça avec les dons que j'ai reçus des bienfaiteurs financièrement. Je sors comme ça pour aller chez mon parent, là, chez Aboubakar, là-bas à Neubel, le magasin de mon parent. Acheter les sacs du riz que je veux partager demain. Et vous allez voir, on n'a pas reçu le don de riz, mais le don financier que j'ai reçu. Marine Tsouma, je suis en train de sortir. Marine la Neubel. Marine la Neubel, je me fous là. Marine la Neubel, je me fous là. C'est pas bon que je n'aime là. C'est pas rapide, ma famille n'aime là. Bien, il y a eu qu'à fausser le bébé. Maman, ça vous fait mal. Un yazin qui, maman. Ça vous fait. Attends, j'enlève un peu le foulard ce matin. Attends, laisse-moi ma tête comme ça, pardon. Hey. Laisse-moi d'abord enlever ça. Sors quand Dieu nous les dieux. Ma chère soeur, ça vous fait mal, mes cours. Ça vous fait mal de voir une personne, de voir mon bichou, de voir Gouta Chimouze Boucha, de voir Goussomba, de voir Goudé. Oui, la dite fille du nez s'est levée. Oh, maman Goussomba, maman Goudé, maman Goudé, maman Goudé. Ça vous fait très mal, mes chéris. Ouhou, et Yazimbo. Ouh, ça vous fait mal, oui, de voir cette dame la tenue. Hein? De voir cette dame-là se lever. Oui, maman de trois enfants, deux qui ont l'autisme, résidente en Europe, qui a décidé de descendre en Afrique pour le bas peuple. Ça vous fait mal? Un yazin qui faut tribulatrice. Parce que vous avez des pages avec des popularités, tout et tout là. Vous portez les chapeaux Louis Vuitton, les Gucci, vous mettez les brutales, Balou Bouton. Vous vous sapez comme jamais, toujours fraîche, fraîche, fraîche. Et vous ne foutez rien du tout. Vous faites à peu près. Un yazin qui, je suis l'exemple vivante. I am the legend. Je suis l'exemple vivante qui montre au monde entier qu'il ne suffit pas d'avoir les millions pour aider les gens. Que même avec ce que tu as, le pauvre que tu as là, le don, le minable, la minable somme là, tu peux aider ton prochain. Un yazin mort. Oui, l'amour de son prochain vous traumatise. Un traumatisé, Zina. Ça vous traumatise. Quand soit mon coup, quand marin coup, quand fucking assoupi, ce toi direct tombe à ta poste. Que Kim, la reine galloise fait comme ça, elle met là pour elle. Elle met là quoi? Qu'elle a vendu du rêve. Elle a vendu du rêve à quoi? Vendu du rêve à qui? On peut aider d'un côté. Pour aider d'un côté, il faut que ça soit mutuel. Hein? On peut souffrir pour quelqu'un d'un côté, maman. Pourquoi on souffre pour un enfant? Il faut la famille de cet enfant-là se lève aussi pour montrer la sympathie. Que oui, maman, on voit ce qu'on fait. Ah bah, on a dit, bon, bon, bon. Sois mon bête là. Oh, ma qui m'a dit, t'as nous. Ma qui m'a dit, t'as nous. Si je t'écris, ça serait grave. Hein? Malgré te répondre, tu l'es souvent tard. Donc, donne les jours, ben que t'as, ben que t'as. Donc tu as le temps de partir encore, rester sur ta page tranquillement, tranquille. Dis que Seigneur, pardonnez-moi, reste tranquille. Parce que mon vêtement, qui m'a dit, bah t'as le mot, bon, non, bon, n'a pas, bon, n'a pas, n'a pas, bon, 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 n'a pas. Donc, ce que tu vas passer ta vie qu'à lire Kanguka, il n'y aura pas de solution. Mais en fait, gâteau, quand il s'agit de ma chance, c'est directement en bête. Marine Tchoubine. Marine Tchoubine, bon, je reporte mon foulard. Voilà. Et je passe mon visage. J'étais à dit. Sors de mes posts. Sors de mes directs. Sors de mes directs. Ne viens plus commenter la foutaise ici, là. Ici, c'est la page de Dieu. Ici, c'est les révélations de Dieu. Vous êtes, ça vous mange. Et il y a combien d'autorités? Combien de personnages qu'on connaît qui ont de l'argent? Qui ont tenu les actions pour le bas peuple, on a vu. Je vous pose une question. I'm asking you guys, il y a combien de personnes qui ont sorti le bas peuple du sous-quartier avec l'handicap? Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de profit dedans. Ah oui, et c'est les orphelins, vous courez derrière les orphelins comme ça. Parce que ces orphelins peuvent grandir demain, changer aussi vos vies. Mais l'handicap, la trisomie 21, l'autisme, la paralysie cérébrale, l'épilepsie, ces enfants ils sont touchés vraiment handicapement et qui sont pauvres là, dans les sous-quartiers là. On a vu qui passait là-bas. Je vous pose une question. Bon marankou, bon tsomankou, bon tsomambet. Bon, tu as parlé de ce qui était sous ça.
Ringaloise, reste tranquille. Tu es une femme battante. Je suis depuis le Gabon. Gérine, j'ai dit ce que j'avais à dire. Elle va se reconnaître. Et si elle se reconnaît, c'est le moment de partir. Parce que moi, je suis un homme qui est 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 continue à mettre les Louis Vuitton avec les sacs Versace, les sacs Chanel et faire comme ça, tout et tout là. Je les vois seulement faire les Yukani, mais sur mon coup. Géraldine Tchounou, bonjour ma petite chérie, comment vous allez? Maman Gérard, mais quoi, passons sur ça, pardon, j'ai parlé ce que j'avais dit, Dieu a compris, la personne va comprendre le message, cela. Et si elle ne comprend pas, quand je vais lui écrire, elle va commencer, elle va chercher Kangouka. Je vais envoyer les clients de Kangouka, ça là, ne vous inquiétez pas. Tata Brie, bonjour, bonjour Tata Brie. Mes amours, le centre n'est pas un orphelinat. Si les parents se disent que l'aide dans leur quotidien, c'est abandonner l'enfant, c'est ce. Voilà. Bonjour Marie, bonjour, bonjour, bonjour Frobou, bonjour Marraine, calme-toi, nous sommes là. Maman, tant que j'aimais. Maman, tant que j'aimais. Bouillon, pour élever le bas, pour montrer l'exemple de notre Afrique. Comment il faut faire? Ça les ronge. Infecte-moi. Intromatique. Oh, peut-être que je suis seul dedans. Voilà les mamans, j'aime tant que ils sont derrière moi. J'ai les bienfaiteurs, bienfaités derrière moi comme cela. Dieu ne manque pas. Quand Dieu te met dans une mission, il met ses enfants derrière. Et Dieu ne choisit pas le cœur de quelqu'un qui est riche pour donner cette mission-là, jamais de la vie. L'expérience a prouvé que même celui qui est mentalement malade dehors, quand il vous dit souvent certaines choses, vous simplifiez ce que la personne a dit. Pourtant, c'est le message que Dieu vous envoie. Dieu entre dans le corps de tout esprit pur, de toute personne qui aime son prochain. Dieu regarde ton niveau d'amour avant d'entrer, avant de s'installer en toi, pour que tu puisses faire son travail. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu se lève. C'est depuis que tu nais que Dieu connaît qui tu es. Et il s'installe en toi, en attendant le moment venu pour que tu commences à faire son travail. Sois-moi maintenant. Maman Meni Chapi, bonjour maman chérie. Oulua, bonjour maman chérie. Claudia Lafleur, bonjour maman. Je vous dis que mes amours, envoyez-moi le message sur le direct jusqu'à Etoudi. Je veux que ça arrive à Etoudi. Je veux que ça arrive sur le président de la République, madame la présidente, madame Chantal Bia. Maman la présidente, madame Chantal Bia, je suis la reine galloise. Par le nom Facebook, Mariam Samira Bouakar. Je suis africaine de nationalité anglaise. Je suis dans ce pays depuis des années. Je veux dire 2 ans déjà, maman Chantal, jour pour jour, pour œuvrer pour les 100 voix dans les sous-quartiers. Je suis une Diakampou pour que Dieu a destiné cette mission-là. J'ai commencé petit et me voici avec une structure à but non lucratif. Chez moi, les parents s'enregistrent. Je suis une association ASDA, Action Sociale Diaspora Africaine. Chez moi, les parents s'enregistrent uniquement avec l'acte de naissance. Je ne prends pas d'argent aux parents. J'élève le bas peuple. Ces personnes sont du sous-quartier avec le handicap. J'essaie de changer un peu l'image de notre Afrique. J'élève le bas peuple avec le handicap. Je les fais faire des activités chez moi. Je les donne à manger. Je les donne à boire grâce aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices. Quand les enfants sont malades, ils vont à l'hôpital. S'il y a 20% à payer, je donne 10%. S'ils ont dépensé 50 000, soit je donne 10% ou 20% dépendant de la facture. J'essaie de aider les parents dans le quotidien. J'amène ces parents qui croyaient que l'handicap de l'enfant, c'était la sorcellerie. C'était le famla, c'était la malchance. Que ces enfants devaient être tous sacrifiés là. J'essaie de changer, d'édifier le monde entier avec l'handicap de leurs enfants. Parce que moi, je suis parent de 2 enfants autistes. En ce moment, mes enfants et moi, nous sommes au Cameroun pour ces œuvres humanitaires. Et nous sommes calés au Cameroun. Parce que mon premier fils là a vu son papa, il a signé sur son père. Il refuse de rentrer au Royaume-Uni. Et ça me permet de continuer à faire mes œuvres humanitaires avec joie et gaieté. Ça me permet de continuer mes œuvres humanitaires, d'être là pour ces 100 voix là. 24 sur 24. Maman Chantal, pardon maman, mon visa est périmé. Le visa est périmé dans mon passeport.
britannique. J'aimerais qu'on me mette un visa dedans, même si c'est pour un an. Même pour me dire merci pour ce que j'ai fait pour le Cameroun. Mettez-nous même le visa d'un an dedans. Comme ça, quand je pars, je reviens encore sans problème. Hein, maman Chantal. Parce que si on m'arrête en route, si on m'arrête en route, le visa est périmé. Maman, sois calé, sois mort. Maman, tu n'as pas de boutique. Maman, tu n'as pas de boutique. Ça va passer dans tout le Cameroun. Ça va passer dans Cameroun tribu. Hein. Ça va passer dans Cameroun tribu. Bah, tu es au Cameroun tribu. Maman, Pungong. Maman, Pungong, c'est les dieux. Ouais, le gars, c'est quoi? Il allume, non? Il y a maintenant là-bas, je fais. Bien parler, ma grande. Les humains regardent l'apparence de Dieu, le cœur. Maman, Dieu regarde le cœur de la personne. Dieu ne te choisit pas, pour moi. Et il y a combien de riches? Je vous pose la question. Toutes ces associations qui ont les quoi ici en Afrique, là, il faut aller chez eux pour voir s'ils ont déjà recueilli des enfants comme ça, là, et leur donner et faire ce que la reine galloise fait, là. Pour moi, là, c'est la voix de Dieu. Même des structures sociales ici, là, me disent que, maman, pour toi, là, c'est autre chose. Pour toi, là, c'est autre chose. Même cette femme témoigne pour toi, là. Et c'est ça! Et c'est ça qui est ça! Voilà pourquoi Dieu touche ses cœurs chaque jour. Dieu envoie ses enfants chaque jour. Tu as un arsenal de bienfaits. Tu as un arsenal de bienfaits derrière toi. Yams et Clason. Oui, mon fils chéri, mon bébé. J'ai un arsenal de bienfaiteurs derrière moi. Les enfants de Dieu sont derrière moi. Où vous croyez que la reine galloise va tomber? Quand jusqu'à dit qu'elle a vendu le rêve à un enfant. On vend le rêve à un enfant. On vend le rêve à un enfant que sa famille vit. On vend le rêve à un enfant que sa famille vit. La reine galloise a tendu la main à une famille. Ils ont voulu être abusés de moi. Ils ont voulu exagérer. On dirait aide-toi pour que le ciel t'aide. Aide-toi pour le ciel. Soit mon copain, elle a vendu le rêve à cet enfant-là. Non, je n'ai pas vendu le rêve. L'enfant serait parti depuis, même avant. Parce que l'enfant, ce n'est pas un enfant facile à rester avec. L'enfant serait parti. Donc, tout l'argent que j'ai misé, tout l'amour que j'ai misé, tout la joie, donc tout, attends, l'impossible que j'ai fait, c'est vendu le rêve. Bon. Parce que tu es incapable de faire pareil. Tu viens vociférer des inepties dans mon direct. Petite salope, toi. J'ai dit ça. Et je suis mal élevé, hein. Je suis aussi mal élevé, hein. Ne me voyez pas comme ça, hein. Parfois, j'enlève le bon cœur là et je me mets à mauvais cœur. Vous ne me connaissez pas. Je suis la reine galloise des réseaux sociaux. Allez voir mes directs d'avant. Vous allez confirmer que non. C'est cela, elle a l'esprit de Dieu qui la dirige. Le point, c'est que pour moi, je ne mets pas l'homme. Parce que si elle met l'homme dedans, Dieu va me frapper. Oui, pour moi, de mauvaise bouche, là, je ne mets pas l'homme dedans. Parce que j'essaie de faire comme les autres, Dieu va me frapper très mal. Chaque personne a sa mission sur la terre. Voilà pourquoi je m'abstiens souvent que, hey, ne fais pas que j'aille loin. Donc, faites gaffe. M'amenez pas au péché. Ah, oula. Très fier de toi, ma reine galloise. Merci, maman Rapi, maman Chapi, maman Mini Chapi. Merci, maman chérie. Voilà mes soeurs de Londres là-bas. J'ai commencé ce projet devant eux. Je les ai parlé de ce projet. J'ai édifié des années sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore lancé le projet humanitaire. Je parlais en pleurant le monde entier, ceux qui me coulent. Voilà les perdus de la nature qui viennent de me découvrir ma page derrière l'œuvre humanitaire qui raconte n'importe quoi. Tu me connais très bien. Demande aux réseaux sociaux, on va te dire qui est la reine galloise. La reine galloise n'a jamais vendu le rêve à quelqu'un sur les réseaux sociaux. La reine galloise parle depuis des années. Ça va faire 4 ans jour pour jour. Hormis de mes 2 ans que j'ai pas encore sur les réseaux sociaux, dans le vrac. J'ai fait 4 ans jour pour jour pour édifier sur l'autisme. Depuis qu'on a su que mes enfants étaient handicapés, que mes enfants étaient autistes, j'ai pris le flambeau de ces enfants-là. Je suis resté sur la toile, accepter le mépris, l'humiliation pour le bas peuple. Maintenant que j'œuvre, tu veux raconter des bêtises? On ne se lève pas un matin pour être surronné, hein. J'ai prouvé au monde entier ce que je voulais faire. Hein. Et ils ne m'ont même pas cru. Il a fallu ma marraine des Ivoiriennes, femme ivoirienne, pour me soutenir, pour m'arrêter la main comme ça, là, que vas-y. Vas-y, ma fille, c'est ce que tu peux faire, vas-y, tu y arriveras. Maintenant que je suis en train de faire, je n'ai même pas encore commencé. On vient me raconter des histoires. Une mendiante ne peut pas aider le bas peuple. Oui, une mendiante peut aider le bas peuple. Jésus avait quoi? Il était le fils de Dieu, n'est-ce pas? Jésus était le fils de Dieu, il avait quoi? Il marchait comment? Qu'est-ce qu'il avait? Mais il avait les disciples derrière lui. Il avait le monde entier derrière lui. Quand Jésus tendait la main comme ça pour le poisson, le pain descendait, tout ce qui descendait là, il est parti payer. Il a fallu que Jésus ait une boutique ou bien des entreprises pour nourrir le bas peuple. Hey, ne venez pas porter votre malchance ici. Moi, la présence de toi. Pardon. Voilà ma soeur, maman Meni Chapi qui est là. 10 femmes bafa, résidente à Londres. Elle me connaît depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Elle me suit depuis des années. Elle a connu mon début. Maman, j'ai 20 ans que
Tous mes mamans chéries sont sur la toile là. Mes frères qui sont là. Qui connaissent le combat que j'ai mené pour arriver à ce niveau-là. Je n'ai même pas recommencé parce qu'il y a beaucoup à venir. À dire il y a beaucoup à venir. Vous racontez des histoires. Aoula, Aoula. Très bon, maman. C'est la mission du père de... Oh, jusqu'à traiter les abonnés sur ma page des boutons. Des gens qui suivent qui sont aveugles. Et il y a aussi une femme de Bruxelles là. Et il y a une femme qui vient en Europe là. Mais c'est pas si elle est blanche ou bien si elle est métisse ou bien si elle est guéguerou. Moi je ne connais pas quel genre de teint est là. Cette dame là est en train de commenter. Je ne sais pas. Quand vous posez les questions à la reine galloise, que mais vous voulez voir les revenus de la reine galloise avant de continuer à faire les dons. Vous faisiez d'abord même quel don. Vous avez mis combien dedans? Montrez-moi vos fiches de paye que vous avez mis, que voilà ce que j'ai donné dans ton association, pour que vous et moi on parle. Ne venez pas raconter des bobas, vous faites aux gens quoi, aux gens que vous considérez dans le temps, PayPal, hein. Parce qu'il y a beaucoup ici sur la toile qui ne mettent. Je vais commencer à vous suivre, à vous bloquer, hein. Je vais commencer à vous bloquer. Parce que des personnes même qui mettent dans PayPal, ils ne gossipent pas sur les réseaux sociaux, hein. Ne parlez pas beaucoup, hein. Les gens même qui mettent dans PayPal ne viennent pas écrire des inepties. Oh, je mets l'argent ici chaque fois, mais je ne vois pas là où ça part. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que la vie est facile en Afrique? Vous croyez que tenir un centre social c'est facile? Vous croyez que tenir un centre social c'est facile? Vous avez vu que le centre ici en Afrique qui fait, qui donne et qui n'a pas les entrées, qui ne fait pas payer les parents. Bah, visitez un peu les centres sociaux où les parents viennent faire des activités avec les enfants et écoutez un peu ce qu'ils disent là-bas, comment ils reçoivent d'argent. Et c'est grâce à cet argent qu'ils payent les factures, qu'ils payent le staff, qu'ils payent tout, qui font même cette. Qui évoluent le centre avec. Je vous dis que c'est un centre où le parent s'enregistre uniquement avec l'acte de naissance de l'enfant. Vous ne comprenez pas le sens. Que le parent ne vient, ne donne, n'apporte rien au centre, c'est nous qui donnons aux parents. Que le parent n'apporte, tout ce qu'on demande aux parents, c'est de sortir avec les enfants du sous-quartier. C'est d'aimer, d'accepter les enfants. Nous sommes là pour faire des choses parce que Dieu nous a demandé de faire. Vous venez me poser la question, oh, c'est vrai que cet enfant-ci, c'est vrai que lui qu'on parle de lui chaque fois. C'est vrai que lui, oh, c'est monté descendu. Où sont les autres enfants? Donc tous les autres enfants qu'on pose sur la toile chaque fois, vous ne voyez pas, vous êtes aveugle. Où sont les autres enfants? Quand tu vas être marraine d'un enfant, viens en immense. Tu viens, je te donne le. Tu veux quel enfant? On te dit que tu dis que tu veux tel enfant, ce que tu as vu là. Je te donne, j'appelle le parent de cet enfant, il vous met en contact. Et cet enfant ne vient plus bénéficier des actions. Parce que ces personnes bénéficient des actions, c'est ceux qui n'ont pas de marraine. C'est ceux qui n'ont pas de parents. Les marraines et les parents, ce sont des bienfaiteurs là qui mettent les dons chaque fois là, qu'on les donne là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si okay, vous venez, vous décidez d'être marraine d'un enfant dans les actions sociales, l'enfant là va arrêter. Parce que à partir du jour là, parce que ce sont des démunis, à partir de ce jour, vous avez décidé d'aider un enfant et mettre cet enfant dans une structure, comme la reine galloise fait. Donc cet enfant ne peut pas plus bénéficier des actions sociales. Parce qu'il y a une structure là-bas, solution autiste à Bonamou Sadi. Vous pouvez prendre cet enfant, aller déposer la solution autiste, ça vous paye 40 000, 100 000, ça dépend de votre moyen là. On prend bien soin de là-bas. Aux actions sociales, tu veux prendre un enfant comme marraine, tu veux mariner un enfant aux actions sociales. L'enfant là arrête les actions. Parce que les actions, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas. Voici mon numéro orange. C'est lui qui va appeler, appelle. Mon numéro orange, vous connaissez le numéro orange, vous pouvez faire le mobile money, orange money aussi, sans problème. Et celui qui va appeler maintenant, appelle pour donner son point de vue. Voilà, attendez un peu, je mets le numéro. 00237-695. Non, sorry. 00237-694-694-53-0519. Maman, il y a un terme. 00237-694-53-0519. 00237. 694-53-05-79. Je répète, 00237-694-53-05-79. Ça, c'est le numéro orange de la reine galloise. Vous pouvez appeler pour intervenir si vous voulez. Voilà, j'ai mis un numéro pour intervenir. Celui qui va intervenir dans le direct, c'est là. Les gens qui sont dans le pays là, qui demandent chaque fois que la reine galloise fait comment avec l'argent. Oh, je monte et descends tout et tout là, avec comment là, comment ça se passe là, vous n'allez plus contribuer, parce que vous voyez clair dans cette affaire. Vous voulez voir clair dans vos anus, vous voulez voir clair dans vos moumous, vous voulez voir clair dans quoi? Ça ne se voit pas clair que cette dame paye son billet d'avion. Qui parmi vous contribue pour le billet d'avion, mes enfants et moi, chaque fois que j'arrive ici au Cameroun? Je viens au Cameroun trois fois par an, je mets le litier pour que vous contribuez pour mes billets d'avion.
vous n'avez pas dans vos cerveaux. Arrêtez vos commentaires à la con dans mes directeurs. Ah oui, j'ai dit ça. 6-1-94-53-05-79. Merci Iris Vegas, la team Mazda. Je peux même épingler le numéro là. J'épingle. Pas le numéro là-bas, le numéro orange de la reine galloise. Pour ceux qui veulent appeler maintenant ici là et me poser des questions par rapport aux actions sociales, je suis disponible, je vous réponds en direct. Voilà ça. Et s'il vous plaît, quand tu viens parler financièrement, montre-moi ta preuve que tu as contribué, que ce soit dans PayPal. Ne viens pas parler financièrement sur les réseaux sociaux. Écris le Jacques, cette affaire, je ne vois pas clair là. Allez voir clair dans vos familles. Allez voir clair dans vos œuvres humanitaires. Si vous ne voyez pas clair, lancez vos propres œuvres. On ne vous oblige pas de contribuer, jamais. On ne vient pas chez quelqu'un qui vient contribuer obligatoirement. Si tu ne vois pas clair dans ces œuvres humanitaires, ne contribue plus. Arrête et ne commente plus sur ma page. C'est tout. Si ça ne te plaît pas, ouvre pour toi d'action humanitaire. Fais pour toi d'action et fais le contraire, on voit. Avant que les gars là. On veut dire que j'ai une subvention de l'État. Que ce soit anglais, que ce soit le Cameroun. Je n'ai pas de subvention de l'État. Hein. Je travaille avec la voix de mon père. Et quiconque est venu me challenger va voir ce que Dieu va lui réserver. C'est tout ce que je peux dire. Donc faites gaffe. Venez doucement sur moi. Envoie les cœurs et partagez mes chéris. Envoie les cœurs quand je parle. Ils vont encore s'y aller. Envoie les cœurs mes bébés quand je partage. Quand je parle. Envoie les cœurs à la reine galloise. Oui, et commentez. Appelez ce numéro si vous voulez intervenir. Appelez ce numéro 00-237-694-53-05-79. Voilà, ça, appelez le numéro, c'est là, c'est ouvert. La ligne est ouverte. Appelez donc sur WhatsApp. Je n'ai pas un WhatsApp sur ça, c'est un choron au téléphone. Mais quoi, il n'y a pas WhatsApp sur ça, bébé? Mais bébé, il n'y a pas WhatsApp sur ça, oh. Il n'y a pas WhatsApp. Appelez-le en direct. Donc, appelez-le en direct. Si vous n'avez pas le direct, tant mieux. Moi, je n'ai pas WhatsApp sur ça, moi. Oh oui, je n'ai pas WhatsApp. Hein. Sur le téléphone, sur le numéro, c'est là. C'est le direct qui demande d'abord. Appelez en direct, donc ligne directe. Maman, dans mon lit, Yams, dans mon eau, je bois, pardon. Chris Rolly. Da Silva, bonjour, merci pour les cœurs. Merci maman et maman Meni Chapi, merci maman chérie. Merci Iris Vegas, merci mes bébés. C'est pour boire, maman. Ça, j'ai fait le régime, ma bébé. Voilà pourquoi j'ai maintenant perdu le poids comme ça. On dit que maman, elle a perdu le poids jusqu'à. Maman, ma perte de poids, c'est l'eau que je bois. L'eau comme ça, l'eau chaude là. Ça vous met l'allergie de bois. Je vais finir tout l'eau là devant vous. Maman, commentez. Appelez sur ce numéro pour donner votre point de vue. 00-237-6-94-53-05-79. C'est là. Ah bah, vous l'a dit. Ah bah, qu'elle a un canot là. Maman, oui. Elle a vendu le rêve. J'ai vendu le rêve à qui? J'ai vendu le rêve à qui, mes chers frères et sœurs? I have tried my best, my darling brothers and sisters. I have tried my best. On ne peut pas traire le best que d'un côté. Tu ne peux pas te battre seulement d'un côté. I have tous les deux semaines là, je veux parler que, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, levez-vous pour le cas de cet enfant, parce que s'il rentre là-bas, ça serait grave. Qui s'est levé? Toi-même qui as les abonnés, qui a aussi beaucoup d'abonnés sur ta page, tu mets que les talons Louis Vuitton avec les quoi Louis Vuitton, les chapeaux Versace et tout là. Tu as fait quoi pour lui? Tu n'as rien fait. Tu viens vociférer qu'elle a vendu le rêve. Tu ne me connais pas bien. Demande-moi de te dire qui je suis aussi. Il y a une abonnée à moi qui ne veut écrire. Cette personne a commencé à insulter mon abonné, à traiter mon abonné de n'importe quoi. J'ai encore lu les commentaires là. Quand je veux mettre mon commentaire sur toi, tu vas même forcément bloquer ma page. Tu ne me connais pas bien. Je t'observe encore, j'ai ri, c'est moi même sur Anisui.
Mais que vous commentez, non, je vous lis. Vous n'appelez pas pour dire votre point de vue. Je parle à ce Marancourt. Ce Marancourt, il se fait dans le direct, c'est la mort. C'est pendant le poste que j'ai parlé avec la reine galloise. J'ai pas eu de suite. Tu n'as pas eu de suite. Tu vas quelle suite? Tu vas quelle suite de la reine? Attends, on va poser une question. On est en Europe ici, là. J'ai parlé avec la reine galloise. Je voulais lui faire des trucs. Bon, ça dire avoir des bénéfices en Europe et tout là. Ben, elle m'a pas donné de suite et tout là. On va dire que nous sommes ici en Europe. Nous sommes ici en Afrique. Et en Afrique, c'est l'argent qui parle. En Afrique, c'est le finance qui parle. Avant d'édifier quelqu'un, d'autre d'avoir mangé, il va t'écouter. Si tu appelles quelqu'un pour l'édifier sans lui donner à manger, il ne va jamais t'écouter. Vous ne comprenez pas ça. C'est difficile à comprendre. C'est difficile. Vous croyez que les autres associations ne font pas ça? Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Ici, dans ce pays, ce qui compte, c'est l'argent. Vous ne comprenez pas. Yams. Madame, mon huile, mon ménia là, je mets sur mes cuisses là. Le ménia, pardon. Demande le ménia là, mais pardon. Le ménia là, oui. Je faute un peu sur le derrière ici là. Ça me gratte. Mais quand j'ai une allergie au Cameroun, moi, quand je prends les comprimés, petits comprimés d'allergie là, on appelle ça quoi là? On appelle ça même quoi? Dexazem. Comment Dexazem, voilà ça. Dexazem. C'est pour l'allergie. Voilà l'autre aussi là. Pour ceux qui connaissent, c'est tout pour l'allergie. Dans le sachet bleu, bébé. Sachet bleu. Bon, là, je veux voir clair. Tu veux voir clair? Prends l'avion, viens au Cameroun. Prends l'avion, viens au Cameroun. Tu n'as pas dans mon inbox, c'est pas là. Tu me donnes le temps aux gens même de leur répondre en inbox. Tu crois même que ce sont même les gens que tu réponds, hein? Pourquoi tu réponds à ces femmes frustrées de l'Europe qui n'ont pas de gars? Elles n'ont pas de mari qui vont les masser les os. Elles se lèvent dans mon inbox. Elles écrivent, tu crois que tu as fait aux personnes. Peut-être vont s'élever pour les enfants différents. Non. Bon, pourquoi c'est que c'est l'enfant dont tu parles? Ben pourquoi c'est quoi? Oh, pourquoi faut pas mose? Et puis je vois, quand je suis papa, ça me corrige là. Ben tu sois m'embête là. Ah ben où la mangea? Pourquoi? Je voulais bien faire pour ça, pour cette association, mais je suis pas en train de voir clair. Tu vas voir que tu as la myopie, va mettre la lunette, tu vas voir clair. Bonjour, bon. Va mettre la lunette, tu vas voir clair. Hein? Et ça se passe comment? Je voulais mariner. Allez, arrêtez d'écrire vos français bizarres sur mes directs, hein? Ou bien sur mes posts, hein? Avant que la maman, on va dire qu'on est chez vous en Europe ici là. Ici c'est pas l'Europe, hein. Ici c'est le camp Foucault. Ici c'est le Camer. Ici c'est le Camer où ce n'est que l'argent qui parle. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? Quand vous parlez, donc, mais tout ne s'arrête pas à l'argent. Tout s'arrête à l'argent dans ce pays ici là. Tout s'arrête à l'argent. Tu veux qu'on t'écoute, paye, donne quelque chose, on va t'écouter. Tu ne veux rien donner, quitte. Ne parle pas beaucoup. Ah oula, ici c'est l'argent qui parle. Dans ce pays ici c'est l'argent. Vous ne comprenez pas ça. Allez dans les bureaux. Dès que vous sortez 10 000 là, le sourire arrive jusqu'à là. Oh, bon arrivé madame, on te met une chaise qu'on ne veut pas te mettre. Allez entrer dans un bureau ici, vous allez voir les chaises en bambou. Dès que tu entres, tu sens bon, tu sors le paquet d'argent. On va te donner la chaise présidentielle. Le pays, c'est un pays où tout le monde est président. Hein. Vous ne comprenez pas ça. Vous voyez, on appelle les gens de présent sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est pourquoi. Parce qu'ils donnent, ils donnent l'argent. Namoni de temps, ils disent contre. Oui. Mes chers frères et sœurs. Et c'est le pays des présidents et des premières dames. Tout le monde est président et première dame dans ce pays. Mais ne sois pas président Diakambou. Tchabou Nyous. Ici dans ce pays, tout le monde est président et première dame. Vous venez bavarder fort dans les postes, les directs et tout là, et que vous ne contribuez dans zéro. Envoyez-moi ce que vous avez contribué pour que je vous dise oui. Oh non, tu as fait des efforts. Ne venez pas mettre des trucs pour vous rapport. Parce que vous avez peut-être 20 euros. Pour commencer à raconter, à écrire toute une Bible que bon, je veux continuer quand je verrai clair. Tu ne vois pas clair, rentre. Désabonne-toi sur la page, ne fais plus rien. Tu ne vois plus clair, ne commente même plus dans rien ici là. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui aident sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui aident sur les réseaux sociaux là. Allez de là où vous voyez clair. Bon, tu sauves un coup. Je ne vois pas clair. Donc tu vas voir noir. Ah, vous l'a dit, maman. M'aide, écoute, m'aide désiré, maman chérie. Vraiment, les sorciers sont d'ailleurs graves. Vous ne voyez pas quoi avec tout le travail que cette femme. Non, maman, elle ne voit pas clair. Elle veut voir encore plus clair. On met les vidéos des enfants chaque jour. Les activités d'enfants. On met les vidéos, on s'occupe des enfants. À l'hôpital et tout et tout. Elle ne voit pas clair, elle ne commente jamais. Ça ne les intéresse pas. Un enfant qui a été bousillé par le bas.
qui a été enchaîné. C'est ça qui vous intéresse parce que l'histoire de l'enfant là, oh, vous voulez voir l'enfant là encore. Comme si vous aimez trop l'enfant là. On a parlé de lui, c'est là qu'il fallait une place pour lui. Une place, mettons-nous ensemble. Vous vous élevez, non. Vous ne voyez pas d'autres enfants aux actions sociales. Donc tous les enfants qu'on met chaque fois aux actions sociales, ce sont les poupées sanglantes alors. Ce sont les poupées Barbie que vous voyez. Vous ne voyez pas d'autres enfants des actions sociales. Vous ne voyez que un seul enfant. Donc tous les enfants qu'on met chaque fois de les parents là, tous les enfants des actions sociales qu'on pose chaque fois, qui mangent, qui font les activités là, ce sont des poupées sanglantes. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des teddy bears. You guys see teddy bear, you're not seeing children. Vous ne voyez pas d'autres enfants. Il n'y a pas d'autres enfants dans ce centre-là. Marie, laisse les sorciers. Rose et Eke, ils ne me connaissent pas bien. Et quand ils demandent sur les réseaux, on va leur dire qui je suis aussi. Si la voix de Dieu m'a demandé de me calmer maintenant là, ne venez pas faire d'erreur derrière. Moi, tu as besoin de Jésus. Je te soutiens à 100%. Maman, un bougri canté. Tu as vu ça où? On n'est pas en Europe ici là. Donc quand tu viens, oh, tu as causé avec la reine Galois sans suite. La reine Galois a vu que tu ne veux vouloir perdre son temps dans ton inbox. On a que j'ai le temps à parler avec les gens n'importe comment tout moment. Ah non, non. La reine Galois a vu que tu perds son temps en inbox. Que tu n'es qu'une personne qui a manque de tout mal. Parce que vous êtes nombreux là-bas en Europe. C'est le moment de foi qui arrive là. Vos trucs vous grattent dedans. Il n'y a personne, le chat, la personne n'a même plus le chat pour vous lécher. Il n'y a personne pour l'acte de votre tube là. Ça fait que vous disjonctez. Vous entrez là et direz, vous voyez la tête pour vos femmes là qui œuvrent pour le bas peuple. Vous croyez que comme elle œuvre pour le bas peuple, vous pouvez la manipuler n'importe comment. Vous venez, tu mets dans mon inbox pour me prendre. Pour me prendre le téléphone, vous faites bavarder dans, sans suite. Celui qui m'appelle maintenant sans me dire que voilà les dons pour les enfants là, je ne te réponds plus. Je réponds uniquement aux appels pour me donner les dons pour les enfants. Vous ne donnez pas les dons, ne m'appelez plus jamais. Je ne suis pas vos maris. Je ne suis pas là pour vous entretenir sexuellement. Je suis une femme qui a décidé d'œuvrer en Afrique. Oui, qui a décidé dans un continent où si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Je suis une femme qui a décidé d'œuvrer pour le bas peuple. Donc mes appels ne vont que être financièrement ou bien le matériel que je veux recevoir. En dehors de mes bienfaiteurs que je connais. En dehors de mes bienfaiteurs que je connais 100%. Le reste là, ne m'appelez pas dans le vide. Appelez-moi pour me dire voilà le don pour l'association. Je n'ai pas donné rien à causer avec vous. Ce n'est pas moi qui va remplacer vos gars dans vos maisons. Abaoula dit. Vous n'avez vu qu'une personne ici. Je vous pose la question. Doit-on un peu un pays où on fait ce que je fais là? On sort le bas peuple du sous-quartier, on fait le transport chaque jour. Vous connaissez ce que c'est? Ça veut dire que par jour, je peux dépenser 60 000 francs CFA, 53 000 francs CFA, 15 000 francs CFA. C'est uniquement pour le transport des parents. Des parents qui sont du sous-quartier là. Comprenez bien ce que je dis. Le jour où je n'ai pas dépensé, c'est au moins 15 000 francs CFA. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Quand c'est du jamais vu en Afrique. Et c'est comme ça, ça dure depuis un an, sans baisser. Voilà l'argent que je change chaque fois. Parce que l'argent que je change chaque fois. Chaque fois, vous payez les parents. Voilà ça. Pour payer les parents. Sans compter la nourriture fraîche food qu'on les prépare chaque jour. Vous croyez ces petits? S'il y avait des structures ouvertes comme la mienne là. Comme cette structure là. Voilà. On va te couper. On va pas même comment ici. Hein? Allô? On met le volume où? Au milieu. Allô? Oui, on vous écoute, madame, on vous écoute. Oui, bonjour, Anne Galois. Bonjour, on vous écoute, maman. Oui, j'appelais juste pour vous dire que je vous encourage beaucoup. Merci. Oui, vraiment, ça me fait très mal au cœur de voir ce qui se passe avec cette histoire, alors que tout le monde a vu en Mondovision ce que vous avez fait dans ce centre. Pour tous les enfants, pour Brice, aussi, mais pour tous les autres, comment vous les appelez, comment vous en prenez soin. En tant que maman, je pense que chacun de nous est touché. Moi, souvent, j'arrive même pas à regarder tellement ça me fait mal que je... Envoie le cœur. Envoie le cœur. Oui, maman. Que je pleure, que j'ai les larmes aux yeux tout le temps. Donc, j'ai beaucoup de mal à regarder souvent toutes les émissions, tous vos directs. Avec tout le courage que vous avez déjà avec vos propres enfants, en Europe toute seule,
c'est déjà très compliqué. Je ne sais pas comment vous avez la force pour pouvoir ouvrir un centre comme ça toute seule. Et vraiment, rien que ça, ça force beaucoup de respect. Moi, je ne comprends pas les gens qui peuvent venir cracher sur un travail pareil. Parce que même seulement un endroit pour donner un stylo à quelqu'un, il ne serait pas capable de le faire. Donc, maman, je ne comprends vraiment pas. Maman. Donc, franchement, sachez juste que derrière, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous aiment, qui seront prêts ou qui sont prêts à participer, à contribuer. Donc, merci, ne maman. Vous inquiétez jamais pour ça. Votre action, elle est vue partout. Merci, même maman. À ceux qui n'ont jamais contribué ou qui ne vous appellent pas. Moi, je ne j'ai jamais, peut-être rien. Mais quand on voit tous les jours, on sait qu'un jour on va agir et peut-être que ce ne sera pas pour envoyer du rose. Donc, merci ma chérie, merci. Vraiment, beaucoup de courage, continuez seulement et que Dieu vous bénisse avec tout ce que vous avez, vous faites. Et pour ces enfants-là, franchement, c'est énorme. J'arrive même pas. À chaque fois, ça me donne toujours envie de pleurer. Donc. Merci maman. Bonne merci. Journée à vous, merci, merci. Bonne journée, Master. Bonne journée, maman. Merci. Voilà. Voici une dame qui intervient de la France. N'appelez pas sur le téléphone, si pardon. N'appelez pas sur le téléphone, sur WhatsApp, sur mon téléphone WhatsApp. Parce que ça va couper le direct. Appelez uniquement sur le téléphone Choronko. Sur le Choronko aussi en direct. Appelez uniquement sur le Choronko en direct. Appelez sur le numéro que j'ai mis là-bas, 00237-694-53-0569. C'est l'orange. Et c'est sur le Choronko. Donc, ça n'a pas d'impact sur le direct ici-là. Pardon. N'appelez plus là parce que je vais couper le téléphone. Je ne vais pas vous répondre. Que ce soit celui-là où j'appelle à WhatsApp, sur les WhatsApp, n'appelez pas sur WhatsApp. Ça ne passe pas. Je vais couper seulement. Parce que ça va me couper mon direct. Maman chérie. Madame Bonaz, insiste. Je paie les billets d'avion chaque 2 mois et demi. 2 mois et demi. Si je rentre au Royaume, je dis maintenant là. Ce sera en décembre, je serai au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Même Dieu m'a dit que aide-toi pour le ciel t'aide. Si je paye le billet d'avion maintenant là. Et pour ceux qui demandent que tu es musulman, je suis musulman de religion. Je suis devenu musulman depuis l'âge de 10 ans que je suis dans l'islam. Et j'ai grandi avec la voile sur la tête comme ça là. Si à un moment j'ai laissé tomber, ça veut dire que quoi? J'avais commencé à faire autre chose. Si je reviens encore à mon ancienne habitude là. C'est Dieu qui me demande que habite-toi souvent comme ça quand tu es en direct. Pour respecter aussi l'Afrique. Donc ne venez plus me demander que tu es musulman. Oui, je suis musulman. I am Muslim. Enfin, je suis de toutes les religions même. Je ne suis même pas seulement musulman, je suis de toutes les religions. C'est à vous dire au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen. Je vous le dis. Je parle tout. Même chez les bouddhistes, je peux lire au-dessus des bouddhistes. Je suis tout terrain. Je suis tout heureux, je crois à mon Dieu. C'est ça qui est l'importance. Ça, c'est nos habitudes. Ça, c'est nos habitudes africaines. La femme africaine, c'est ça. Même mon Lego des actions sociales, vous allez voir que je suis couvert comme ça là, avec mon enfant au dos. Et je repose à la femme africaine de me poser plus les questions quand tu es musulman. Voilà. Salam alaikum. Mes chers frères et sœurs, madame, brothers and sisters, my lovely brothers and sisters, appelez pour donner votre point de vue. Si je rentre au Royaume-Uni maintenant là, même ce mois-ci là, je vous pose la question, qui va se porter garant de payer 4 millions de francs CFA pour d'examen pour moi pour que je vienne œuvrer? Qui va se lever pour me donner 4 millions de francs CFA pour d'examen en connaissant le prix des billets d'avion en ce moment que le confinement est élevé en Europe? En connaissant le prix des billets d'avion de décembre, avec les enfants, avec tous mes 3 enfants, qui va se lever? Moi, je ne gêne pas les gens. Je ne dérange pas les gens. Le seul moment où on m'a payé le billet d'avion dans ma vie, c'était quand là, je venais commencer les œuvres humanitaires en 2020. La marraine de mes enfants m'a soutenu avec le billet d'avion. Décembre 2020, c'était tout. Et ce n'était pas petit. Le seul moment où on m'a payé encore, que les intérêts sont mobilisés pour mon billet d'avion, c'est quand je rentrais par la Turquie la fois passée, l'année passée, ce qui a même traumatisé ma fille là, qui ne vient plus pour le moment au pays là. Quand je rentrais par la Turquie, en oubliant que la Turquie était sur la liste rouge au UK, je ne pouvais pas entrer au UK en passant par la Turquie. Il a fallu que je rentre au Cameroun d'abord pour remonter. En ce moment, les intérêts sont mobilisés
pour me payer le billet d'avion, retour, pour que les enfants aillent à l'école. Dans les deux fois, on m'a fait le billet d'avion pour ces œuvres-ci-là. Ici au Cameroun. Le reste de fois, vous me voyez au Cameroun presque chaque deux mois et demi. Vous croyez que je vends le piment en Europe? Vous croyez que je vends le piment en Europe? Vous vous dites que je fais comment? Ce sont mes économies de mes enfants et moi que j'ai mis mon cœur, mon amour, mon tout, ma vie sur ces actions. C'est là que il ne faut pas être milliardaire pour actionner pour le sans-voix. J'ai mis mon argent sur ça. Pour payer mes billets d'avion chaque deux mois avec mon dernier fils là. On monte de ça dans les avions chaque fois. Vous me voyez au Cameroun, vous voyez l'Angleterre. Pourquoi je suis la femme du président Kobia? Pourquoi je suis la femme d'un ministre ou la femme d'un député, d'un OPS, du monde de personnalité? Je ne suis qu'une maman simple, Djakabou, vous, comme vous le dites, mais j'ai l'amour de son prochain. Ma richesse, c'est l'amour de son prochain que j'ai. Ma richesse, c'est l'amour de son prochain. J'ai prouvé devant tout le monde. Je prouve même dans le réel. Oui. Ceux qui me connaissent même dans le réel disent que c'est la vérité, cette dame-là. C'est même pas elle qui fait. Je travaille pour mon Seigneur. Vous venez écrire des histoires à deux balles. Une pauvre ne peut pas faire des œuvres humanitaires. C'est écrit où? Qu'une pauvre ne peut pas faire des œuvres humanitaires. C'est écrit dans quelle loi de la vie? Mais nous tous savons que Jésus marchait avec les sandalettes. Jésus marchait pieds nus. Jésus faisait le tour des pays et des pays à pied avec son bâton. Jésus montait sur un cheval. Vous avez vu sur la Bible où Jésus est sur le cheval. Il marchait qu'à pied, il était Djakabou. Jésus avait l'argent dans les poches. Ton corps, Métonia. Ton corps, mon bichou. Métonia. Métonia. On n'a que croix de n'y a pas n'y a que croix d'eau. Faites attention, s'il vous plaît. Ne venez plus challenger le Seigneur. C'est votre problème, mais vous avez à dire. Quittez derrière moi rapidement. Bon, on le craint le bien. Mais quand rien fait l'os là. Je lance le direct maintenant pour demander que je fais comment pour avoir le visa. Si je voyage maintenant pour l'ouest ou bien pour le centre, on ne peut pas m'arrêter en route. Si on m'arrête en route et on voit que je n'ai pas le visa valable, on va faire comment? On va faire quoi de moi? Dites-moi maintenant pourquoi je me prépare. Comme ça, pendant je mets mon collant. Comme ça, après la route de l'ouest, mais du sud, je mets du centre, je mets le collant aux fesses. Je me prépare à tenir le combat. Dites-moi, voilà pourquoi j'ai lancé le direct. Si on m'arrête en route sur la route de l'ouest ou bien sur la route du centre, et que le maire regarde mon passeport comme ça, et voit que le visa n'est plus valable. Et voir le visa de moi, qu'est-ce qu'ils feront de moi? Moi, j'ai pas envie de choco quelqu'un, mais j'ai envie de me mettre le visa ici. Hein. J'ai envie de voir le visa ici dans mon passeport. Hein. J'ai envie de voir le visa camerounais ici dans mon passeport. Oui! Donc, appelez-moi, mon numéro est ouvert. Vous connaissez mes numéros. Vous me mettez le visa dans mon passeport ici là-haut. Parce que si vous me menacez sur le Cameroun parce que je n'ai pas le visa, ça va tuer. Hein. Vous allez challenger Dieu. Vous allez challenger Dieu maintenant. Hein. Vous challengez le Seigneur. Hein. J'ai dit ça. Voilà le visa Cameroun. C'est à périmé. Je fais comment? Ne voyage pas. Non, je dois voyager les petits plats d'arrière. Je dois voyager pour aller faire des courses pour les actions sociales. Est-ce que c'est nécessaire de donner le transport aux parents le jour de la remise des dons? C'est nécessaire. Oh, Tata Bri, je veux encore vous répéter. Je suis une fille du Nyamton. Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour les œuvres humanitaires. Je suis une dame du Nyamton. Nyamton veut dire quoi? Je suis une fille du ghetto, de Lambou City, du sous-quartier. Le sous-quartier, c'est quoi? C'est où il y a des marécages là. Où des gens, quand tu restes dehors, tu vois des gens dedans. Où des familles n'ont même pas un plat de repas par jour. Des familles n'ont même pas un plat de repas par jour. Où les enfants souffrent et mangent les mauvres à longueur de journée. Où les enfants restaient au sous-quartier sans caleçon avec de gros ventres. Où des personnes crèvent pour avoir un petit truc pour manger. Des familles parfois moulent les tapioca deux fois par jour pour manger. Donc ils ont la chance d'avoir une boîte, un verre de tapioca. C'est ça qui les sert de repas. Vous
êtes nombreux sur les réseaux sociaux, vous êtes des familles bien aisées, des papas et mamans, des personnes qui n'avaient pas connu la souffrance. Aujourd'hui, la toile nous a mélangés tous ensemble. Dieu a donné une révélation à Mark Zuckerberg, le père des réseaux sociaux. Il a mis tout un continent ensemble, les pauvres et les riches, les va-nu-pieds et les va-pieds. Il a mis tout le monde ensemble. Car nous sommes tous les enfants de Dieu. On doit s'aider, s'entraider. On doit voir nos quotidiens. Je vous fais voir ça chaque jour. Si un parent qui quitte Brazzaville pour l'Orbessou vient prendre les dons et qu'elle n'a même pas mis 500 ni francs pour le transport. Avant, c'était 2000 que je donnais. J'ai arrondi à 1000 francs. Si elle n'a pas 1000 francs pour le transport, elle va faire comment, ma chère soeur? 1000 francs, c'est une somme que c'est rare de voir dans les familles démunies. J'ai dit, 1000 francs CFA, c'est une somme que c'est rare de voir dans les familles démunies. Démunies, c'est la 1000 francs. Et si maman prend ses 1000 francs, tu l'appelles de venir prendre la nourriture. Tu ne lui donnes pas le transport. Elle va faire comment pour rentrer, pour venir prendre la nourriture de l'enfant et rentrer avec. À cause du transport même, les familles ne sont pas de sous-quartier. Elles sont que des là. Une maman met son call box, elle vend ses choses, elle vend. L'argent est à programmer. Ces familles-là ont des enfants qui vont à l'école primaire. Ces familles-là font des call box, vendent des tomates, vendent ceci, cela. Les agents sont programmés pour envoyer les autres enfants qu'ils ont à l'école. Ma Bic, t'as besoin de combien de sacs de riz demain? Ma quand même 5 sacs de riz, maman. Géraldine, même 5 sacs, même c'est 200, maman, c'est bon, ma. Maman, vous, Géraldine, chérie, maman, ma petite soeur d'amour. Même c'est 200, ma, c'est bon. Ça va, vous allez voir, je vais leur donner ça. Il n'y a pas de sacs de riz pour le moment, là. Voilà pourquoi je dirais, je veux partir. Je veux prendre le finance, parce que je reçois aussi le finance, non? Les bienfaiteurs. J'ai reçu un tonton de Londres hier qui a mis l'argent dans Mobile Money. Et l'autre qui a mis dans PayPal, je vais retirer pour aller payer ça. Hein, maman, donc si vous aidez avec le sac de riz là, l'argent là maintenant, je vais seulement payer le transport. C'est tout bon, maman. J'ai besoin que c'est un sac, même c'est deux sacs, maman. C'est vrai que tu peux donner, tu donnes, maman chérie. Hein, maman, on veut. Non, comme ça, on va, parce que le riz est important, maman. Le riz est très important. Hein, maman chérie. Et il vient sans que ça, avoir le riz là, ça ne donne pas. C'est important, maman. Donc, mes chers frères et sœurs, madame, pour la tata brille, ma tata brille, je dois les motiver pour qu'elles viennent même prendre la nourriture. Et parfois, le vendredi, qu'elles arrivent comme demain, on va leur faire la banane malassée. On va faire, je vais faire un grand repas pour tout le monde. Parce que quand elles viennent pour le don, là, on chante, on bavarde, je les édifie, je les fais avoir le sourire, je les donne la joie de vivre. C'est tout ça là. Oh, mes amours de frères et sœurs. Oh my God. Oh, Father Lord, give me the energy to face those people. Those bad people in this world, please. Même ne serait-ce que ça. Ça donne la force à ses parents-là. Demande un titre de séjour. Je vais aller demander où les petits plats. Je veux seulement mon visa. Je n'ai pas besoin de titre de séjour. Je veux mon visa. Je veux le visa, maman. Je veux qu'on me mette le visa écrit sur ça. C'est déjà difficile de se déplacer avec un enfant en mobilité déduite. Ouais, réduite. Maman chérie Catalina, je prends mon enfant autiste pour voyager avec. Ok, je te remets 500 aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Hey! Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, oh Amen. Envoie le cœur pour ma petite soeur Géraldine Toudo. Envoie le cœur. Amen, Nagai. Zambé, ya solo. Zambé, oh Nagai, solo, Zali, Zambé, Nagai. Allo, bio, ya, ya, oh. Allo, bio, Zambé, oh. Zambo, papa, oh. Zambo, ya, ya, Nagai, oh. Merci, mon Dieu. Merci pour ma petite soeur chérie, oh. Oh Seigneur. Maman Géraldine Toudou, maman chérie, maman veut, mais tu connais le commande, ça là c'est le chien qui va répondre, ma petite soeur. Tu sais que tu es une femme déterminée. Tu sais que tu es la puissance mondiale de Londres, parce qu'on parle là. Pas le bataca qu'on fait souvent à maman chérie, maman Géraldine. Envoyez le cœur sur ma. Là voilà, hein. Géraldine Toudou, c'est une bienvenue des nations sociales diaspora africaines. Hein.
Va les bienfaitures là-bas. Vous venez parler le wo-ho-ho. Vous êtes trivé les langues françaises. Maman, avant de venir écrire les langues françaises dans mon direct, renseignez-vous bien. Hein. Je suis là. Je l'ai dit que. Donc, je ne lis même pas souvent même vos français là. Si ce n'est pas grâce à mes lunettes parfois que je mets souvent pour lire souvent vos français, bracatala. Ça, je ne lis même rien du tout. Donc, avant d'écrire les gros français dans mon direct, sachez que vous avez affaire à une hameton. Hein. Vous avez affaire à une hameton. Je l'ai dit que. Donc, je n'entends même rien de tout ce que vous dites là. Voilà une bienfaitrice qui est connectée. Maman, j'ai radié tout nous. Là, voilà, maman, voilà ma petite soeur. Avouez le cœur. Avouez le cœur à Gérardine Tchoulou. Avouez le cœur à la dame forte de UK. Oui, elle est de chez moi. Je suis à Cardiff, elle est à Londres. C'est qu'est-ce que c'est ça? C'est la fille de la reine Elisabeth qui est morte dernièrement là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la petite fille de maman Elisabeth qui est morte dernièrement. Pas à l'âme de votre grand-mère, maman. Pas à l'âme de votre grand-mère. Ah, bon, qu'elle a une là, maman. Hein? On aide les bas peuples, les gens viennent raconter des inertis sur les réseaux sociaux. Oh, maman Gérardine Tchoulou revient. La belle femme, Pourou, la beauté de ça, maman Miss Lolo. Oh, maman Miss Lolo revient. La beauté, il n'y a pas deux belles comme elle est. Elle est la plus belle, la plus gentille. Ah, déjà, ne m'attends plus, maman. Oh, maman, attends, oh, maman, attends, maman, attends. Oh, maman, et maman, attends, maman, mais Gérardine, mais maman, attends. Et maman, t'as mon chavez, mais maman, t'as. Oui, t'as tout travail, MB. Va les actions sociales. Va la type qui est connectée. T'as tout travail, MB. Oui, va la type Asda qui est connectée. C'est là qui met dans PayPal chaque jour. Cette dame qui met dans PayPal chaque jour que tu as créé, maman chérie. La type Asda est connectée, oui. La type Asda est connectée. Avant d'aller raconter des histoires sur la règle à loi, sachez que j'ai une armée de béton. J'ai une armée forgée, des enfants de Dieu derrière moi. Et qui voient le travail. Qui connaissent comment le Cameroun est dur, comment c'est pas facile, et qui voient ce que nous on a fait, que Dieu a fait à réaliser. Aba Oula, pour renouveler ton visa, va à la police des frontières, à l'aéroport. C'est quoi? 50. Maman Dorothée, ouais, mais tu n'as pas ton oncle qui est là-bas, il vient me parler, il renouvelle à moi, maman. À la police des frontières, à l'aéroport, maman chérie. Maman chérie, ouais, tu n'as pas ton oncle, maman, qui est même qui travaille à la police des frontières, là. Elle m'a même un an dedans une fois. Je veux que maman Chantal bien m'appelle. Pourquoi même c'est un an dans mon visa, là, une fois dans mon passeport. On me rend la vie facile dans ce pays-ci, pardon. Hein, maman chérie. Les 50 000 euros, oui, maman, je réponds. Je réponds mes bienfaitiers, je réponds mes amours de bienfaitiers, je vous réponds. Allô? Allô? Allô, maman chérie? Allô, mon bébé, allô? Je veux conseiller, je veux parler là. Je suis une maman de mère d'enfants différents. Oui, maman. Et tu as une femme vraiment très courageuse. Merci, maman. À travers toi, ça m'a donné beaucoup de force. Parce que de voir les gens dire des choses comme ça sur toi, vraiment, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'il y a derrière un travail. Je viens d'Allemagne, donc c'est un peu difficile. Oui, derrière le travail des enfants différents. Des enfants différents, maman. Dans le travail que les mamans mettent derrière. Oui, en fait. Maman. Donc, vraiment, tu es une femme à vraiment encourager. Merci, maman. Parce que tu es fort, quoi, du côté. Du côté spirituel et du côté matériel. Parce que vraiment, Dieu t'a béni et t'a donné la force pour faire cela. C'est merci, que maman. Encourager que j'ai appelé, maman. Merci, ma star. Merci. Allô? Oui, je vous suis, maman. On vous écoute, maman. On vous écoute. Yeah, justement, c'est juste pour cela que j'ai appelé pour dire vraiment que tout ce que les gens sont en train de dire là, ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière de se déplacer avec une maman, avec des enfants autistes. Nous, seulement un enfant autiste, c'est déjà combien de travail. Vous avez deux et vous allez encore vous occuper d'autres enfants en maman. Afrique. Et les gens se lèvent raconter des choses vraiment comme ça, vraiment, c'est. Juste m'appeler mendiante. M'appelait mendiant de ma soeur. Qu'est-ce que m'appelait mendiant? Je connais la peine que vous avez, la peine, la force que vous avez. À travers vous, j'ai vraiment, ça m'a donné aussi beaucoup la force de m'occuper de mon enfant. Merci, maman. C'est ce que je voulais dire. Merci, maman. Merci. Merci. Merci, ma soeur chérie. Merci, mes amours. Merci de me donner toute la force. Vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci, mes stars, de me donner la force. Merci infiniment. Jusqu'à m'appeler mendiante. M'appeler mendiante. Elle mendie pour elle, les gens. Merde. Si je suis mendiante pour le bas peuple, il n'y a pas de problème. Au moins, je ne mendie pas pour construire des maisons en Afrique. Je ne mendie pas pour acheter mes grosses voitures. Vous m'envoyez dans la grosse voiture au Cameroun. Je marche à pied chaque jour pour aller aux actions sociales d'espoir africaine. Mes enseignants m'ont déjà brûlé.
brûler, brûler à cause du frottement. Le frottement et le soleil qui me brûle. Moi aussi, j'ai arrêté la dépigmentation. Parce que l'argent pour acheter l'huile de caire, mieux je mette mon âme sur ce combat-là. Je n'ai pas besoin de ce vivre à me distraire. Je reviens au naturel grâce à mon combat que j'ai mis. Grâce à mon combat, grâce à l'amour que j'ai pour mon prochain. Vous me racontez des histoires mendiantes. Tu as appelé qui mendiante? Tu ne vois pas la marraine de Branley? Même comme elle n'est plus marraine de Branley, là, elle a été marraine de Branley. Cette dame de la Côte d'Ivoire là, qui est venue m'aider là, avant d'arrêter là, elle m'a donné l'opportunité d'avoir des millions. Je peux ouvrir un grand restaurant à Cardiff, je reste tranquille. Et je fais aussi la vie comme avec les gens sur les réseaux sociaux. M'as-tu vu dans mon restaurant à Cardiff? Je dis non, je mets ça au profit du bas peuple. Ne tentez pas l'enfant de Dieu. Ne venez plus tenter l'enfant de Dieu dans le direct. Tu ne comprends pas mon concept, pas. Tu ne comprends pas mon concept. Désabonne-toi de ma part, s'il te plaît. Ne venez plus tenter l'enfant de Dieu. Je décris en immense pour envoyer quelque chose, te rendre visite sur place. Oh! Envoie le cœur, l'ange s'est levé. L'ange s'est levé, l'ange s'est levé. Envoie le cœur, mes amours. Oh, maman, ton, oh, maman, ton, maman, ton. Maman, oh, maman, ton, maman, veux Géraldine Tchoudou, même maman, ton, hé. Oh, maman, ton, me chabenzi, même maman, ton. Je quitte comme ça maintenant pour aller acheter les riz là. Quand maman Géraldine m'a envoyé l'argent là, maintenant là, elle a bien envoyé. Mango, tu as envoyé bébé. Envoie par mobile money, hein, ma. Mobile, au numéro, tu connais mon numéro du pays, non? 00237-675-38-70-93, maman. Bah, tape, tape, c'est non. Mariam Samir Abouaka, c'est moi. Maman, envoie par là-bas, hein, ma. Là, je quitte ici, maman, directement au quartier, où ça? Ouais, maman, ton maman, envoie Géraldine, même maman, ton. Maman! Oh maman, ton me chabonzu, même maman, ton hé. Wotoro, 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 ton moula. Oh maman, ton me tape tout travel, même maman, ton hé. Oh maman, ton me mes chéris, pour maman, ton hé. Wotoro, 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 ton moula. Allo, maman, comme je, maman, l'on est vendant, bon. Mon ange, on a ensemble. Mon bon, mais je te dis, je me raconte, mais je vais te maquiller. Oh, bah, ya, maman, 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 maman. Mais chers frères et sœurs, je ne vais pas parler du riz maintenant là. J'ai mes bénévoles, tout ce que j'ai chassé là. Qui ont volé le riz chez moi comme ça là. Voler le riz chez moi comme ça. Voler, voler, voler les choses chez moi comme ça, maman. Voilà pourquoi je suis resté avec la crème des crèmes des bénévoles aujourd'hui là. La crème des bénévoles. Qui a envolé le riz chez moi comme ça pour aller vendre? Je ne vais pas parler du riz. Parce que les actions là, des sables étaient entrées du riz même jusqu'à un an. Comme j'étais au pays là, on m'a volé là-bas jusqu'à. De donc, type Milaïda. Voilà pourquoi j'ai pris les désus là-bas. Que grave! Je suis sur place pour travailler, pour œuvrer. Parce que quand tu n'es pas là, c'est dans l'air. Ça part dans l'air. Quand tu n'es pas là, ça part dans l'air. C'est parce que tu cours dans le sac. Quand je vais rentrer au royaume, je dis. Ceux que je vais laisser là ne vont pas faire l'erreur. Parce qu'ils connaissent, ils ont vu mon pouvoir. Que celle-là, quand tu es contre elle, ça joue sur elle. Ils vont maintenant marcher dans la droite comme ça. Ils ne vont même plus faire l'erreur. Mais de les mendiants. Maman, comment dire, me tape du travail. Bonjour, maman. Bonjour, Kevin, là. Bonjour. Yoanda sur les caméras avec cette histoire de. Oh! Marraine, la marraine, on n'enlève pas une marraine. Elle reste toujours marraine de notre fils adoré. Malaise Davina! Quand une marraine ne donne plus, on enlève, non, ma? Quand une marraine ne donne plus, on enlève, des. On enlève. Pourquoi les gens qui font les marinages sur les réseaux sociaux là? Qui disent qu'ils seront marraines des enfants et tout cela? Pourquoi ces marraines seulement pour une fois? On enlève une marraine. Les marins qu'on enlève pas, c'est les marins qu'on a baptisés. Le marin qu'on enlève pas, c'est les marins qui viennent et qu'on baptise à l'église que c'est ta marraine. Mais si c'est le marin avec la bouche, on enlève. On enlève le marin avec la bouche. Si une personne vient de déclarer que le marin est ton enfant, elle est marin de ton enfant, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Si elle ne donne plus, on va l'enlever. C'est que si c'est ça, elle ne donne plus, on enlève. Le jour que. On va maintenant baptiser le marin maintenant à l'église. Ou bien où on va maintenant faire la communion là. C'est qui ça? Elle a envoyé.
Ah, je ne sais pas moi, hein, si c'est elle envoyée. Elle va envoyer, ma puce va envoyer. Elle va envoyer tout à l'heure. Là. Moi, j'ai confiance à elle. Et ça va être parti. Tu vas aller au quartier à Oussa maintenant là. Tu veux faire la vidéo. Ah, mais elle va voir, j'ai pris le sac du riz qu'elle a dit là. Maman, les mères là seront contentes demain. Hein. Wouhou! Les mères là seront contentes demain, maman. Wouhou! Tenia. Mais copine, venez être marraine de Ludie et Bradley. La place est ouverte. Venez être marraine, vous les aidez. Là, je prends l'argent là pour aider le bas un peu. Ce qui est, c'est ça. On enlève le marinage, on enlève. Ceux qui ont pris les enfants handicapés ici là, ils te disent, oh, ils sont marins là, ils sont où? Le marin reste seulement quand c'est légalisé. Quand une personne vient vous dire que c'est le marin de votre enfant et vous aide avec votre enfant là, le jour elle n'est plus vous enlever. Elle n'est plus marine, c'est tout. Si avant de partir, on avait légalisé ça, le jour qu'on a baptisé l'enfant et que c'est elle qui a signé, c'est où elle reste marine toute la vie, non? Donc si c'est pas marine comme ça, non marine, elle peut être en difficulté, s'il te plaît. Mélise Davina, pardon maman chérie, ne viens pas me faire la morale ici là. Je dis et je réitère que quand tu es marraine de l'enfant et tu aides l'enfant, le jour où tu n'aides plus, tu n'es plus marraine. C'est tout. Je n'ai pas moi dit que en difficulté ou bien pas en difficulté. Maman, pardon, ne viens pas me faire la morale, ma please, ma chérie. Tu es très brave. Santé pour toi, pour continuer ton travail avec ton cœur. Non, merci. Merci, Makuta Maria. Merci, Koulbali. Maman Koulbali, salam alaikum. Bonjour, marraine. Eh? Il y a les gens qui ont pris les. J'ai donné les bienfaiteurs ici aux gens. Les bienfaiteurs ici aux gens. Et ils sont venus qui seront marraines des enfants ici au centre social. Après, ils ont disparu dans le sombre. Donc, on va tous les appeler marraines. Vous parlez de quoi comme ça là? Il y a les gens qui ont appelé que. Oh, j'ai mis les vidéos des femmes ici. Envoyez les cœurs, la reine galloise, pardon. Envoyez-moi les cœurs, bébé. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Envoyez-moi les cœurs. Comment ça veut dire? J'ai mis les photos des mamans ici avec les enfants handicapés. Sur les réseaux sociaux ici là. Les gens ont appelé ces personnes comme ça là. D'autres ont dit que je suis marraine de ton enfant à partir de maintenant. Je suis marraine. Comment est-ce que je suis marraine là? Il y avait une signature de marinage sur ça. Vous parlez quoi? Et quand il n'y a pas de signature de marinage, c'est que le marraine de réseaux sociaux, c'est tout. Ne parlez plus comme ça là. Hein? Juste à ce qu'on baptise l'enfant et que tu signes que tu es marraine de l'enfant là. C'est là où tu restes marraine à vie. Donc ne me raconte pas les histoires à deux balles. Vous savez de parler, tu vous voyez que je parle, je raconte quoi? Je ne suis pas ceux qui aiment les gens par intérêt. Hein. Donc, quand vous venez derrière les gens en disant que vous êtes des marraines de ces enfants-là et que vous aidez ces enfants-là, quand vous êtes en difficulté, on connaît que vous êtes en difficulté. Mais quand vous arrêtez, vous ne donnez plus, déjà plus d'un an, vous n'êtes plus marraine de ces enfants. Vous n'êtes plus marraine, c'est tout. Tu es marraine, tu dois assumer le marinage. Si tu ne donnes plus, tu n'es plus marraine. Si c'est un marinage sur papier, là on dit que oui, c'est le marinage là-bas. C'est marraine à vie. Si c'est marraine avec la bouche. Vous connaissez combien d'enfants, combien de personnes sont marraines des enfants sur les réseaux sociaux? Ça, c'est les marraines de bouche. Avant, marraine bouche. Venez dire que marraine, sans mettre sur le papier, ça veut dire que tu contribues dans la vie de cet enfant-là. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es marraine, quand j'ai accouché l'enfant, tu es avec moi. 17 ans, quoi. Bonjour, bébé. Comment tu vas? Bonjour, Mange. Que le Seigneur te protège et fortifie pour ton combat. Merci, maman, 17 ans. Quoi. Merci, maman. Merci, je t'en résume la petite de temps. Oh, mais je parle mal, les filles. Marraine, c'est uniquement sur papier. Sur papier. On ne peut pas enlever le marraine sur papier. Tu dis que tu es marraine d'un enfant et que tu as été baptisé. Les marraines du matu, vu. Voilà. Les synonymes, Madeleine. Tu vas être marraine de l'enfant de la reine galloise. Être marraine de l'enfant de telle personne blogueuse sur la toile. Être marraine de l'enfant de telle blogueuse. Tu as au moins 10 enfants de blogueuses que tu es marraine. C'est quoi, c'est la sorcellerie? Avant la sorcellerie, que moi, j'avais mis le colère de ceci, dis-là. Mis le colère, non, mais tu sais, mais tu sais. Quand il est brouve au maïs au Christ, on brouve en vrai. Pardon, dis-là. Tu es marraine de l'enfant de la reine galloise. Tu es marraine de tous les blogueuses, tous les blogueurs des réseaux sociaux. C'est le marinage. Avant marinage, quand ma femme là, il m'a eu. Et nous, Dieu a donné pour moi, je suis resté tranquille. C'est quoi? Dieu a donné pour moi, j'ai dit merci. Bon, parler n'a plus de marraine. Luther n'a plus de parrain. C'est qu'est-ce que c'est ça? Si vraiment vous êtes marraine, elle vient dire qu'elle est marraine. Elle donne à parler à Luther. Et on continue. C'est qu'est-ce que c'est ça? Ah. Bonjour la reine. Vraiment, les mots me manquent.
je suis toujours tes directs. Tu es une mère de grand cœur. Continue de. Ouais, maman Sylvie, Gueni, maman chérie, merci beaucoup, maman Sylvie. Les gens, ils vont venir voir, on dit que voilà les boutons, voilà les gens qui la suivent bêtement. Vous n'avez pas honte. Vous voyez une femme qui se lève. Mais la marraine de Valais s'y a donné. Et l'argent qu'elle a donné, là, j'ai fait quoi avec ça? J'ai mis ça sur les œuvres humanitaires. Oui. J'ai mis ça dans les œuvres humanitaires. Celui qui a aidé le Cameroun vient même. Et je lui serai infiniment reconnaissante. Jusqu'à la fin de mes jours sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, bah, ça s'arrête à ce niveau-là. Ah, oula. Tu ne partais pas être marraine de tout le monde. Hein. Elle devait être dans les problèmes qu'elle est là aujourd'hui. Là. Que les gens la manquent du respect à gauche, à droite. Oh, la manque du respect. C'est tout aller pour être marraine à gauche, à droite. Là. C'est ça qui apporte le manque du respect sur elle aujourd'hui. Là. Pardon. Bonjour, ma grande. Tu as raison sur les réseaux sociaux. Quand tu es en difficulté, chacun te promet le ciel et la terre. Tu as tout à fait raison. Oui, non, mais elle est là, Kamela. Si elle vous dit combien de fois, moi, mais la reine galloise. L'argent que je reçois du gouvernement anglais, et même qui est très dangereux, parce que demain, ils vont me créer des problèmes là-bas, je le sais, mais je vais assumer, parce que j'ai fait ça pour mon bas peuple. Je reçois l'argent des enfants, là. Je prends tout l'argent, je mets sur les œuvres humanitaires, parce qu'il n'y avait pas 5 francs dans PayPal. Je suis venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de ça. Laissez-moi tranquille, ne courez pas derrière moi. Ne venez plus me raconter des histoires derrière moi. Ne venez plus me raconter des histoires de mal, s'il vous plaît. Laissez-moi faire mes choses. Tant que je vivrai, la force de détermination que j'ai, le pouvoir de la résilience, I'm a phenomenal woman, je veux continuer mes œuvres. C'est Dieu qui m'a récompensé en changeant mes enfants, c'est la règle qu'il m'a donnée là. En les faisant progresser. C'est ça que je veux comme le changement. C'est Dieu qui va me récompenser en faisant que le gouvernement camerounais, où j'ai œuvré même déjà, en commençant par le Cameroun, ouvre des structures sociales à but non lucratif. C'est moi-même pour nourrir le bas peuple. C'est ça qu'on a besoin dans ce pays-ci là. Parce que tu peux donner le travail à quelqu'un, il travaille, il ne gagne rien. Ça part. Il fait même un accident, même, il va redépenser tout l'argent à l'hôpital. Mais des structures pour nourrir le bas peuple. C'est moi pour venir manger. Il le faut. Les restaurants de cœur. Il faut ça dans ce pays. Oui. Il y aura moins de ce qu'on appelle le crime. Il y aura moins de crimes. Ouvrez des restaurants de cœur. Mes chers frères et sœurs, n'attendez pas seulement Noël pour les donner. Ouvrez des restaurants de cœur comme en Europe. Des structures. Des restaurants de cœur où le bas peuple ne va pas entrer quand il a faim, il mange. Dieu va bénir ce pays. Mais comme les restaurants de cœur, ouvrez. Quelqu'un vient manger sa carte à l'intérieur, il enregistre. Il sait qu'il a son plat de nourriture à midi. Ça ne vous coûte rien du tout. J'ai dit ça, Rora. Vous faites comme si ça serait impossible. Ça serait possible bientôt dans notre pays. Ne vous inquiétez pas. Vous faites comme si c'est impossible. Qu'est-ce que je raconte? Je suis folle. Ça serait possible dans ce pays. Et quand le mois va venir, vous allez penser à la reine galloise. Arrêtez de leur manger seulement à Noël. Il y a des structures ici, par-ci, par-là. Il y a des places. Venez même avec le comptoir. Envoyez même les femmes en route avec le comptoir. Comme ça, vous mettez seulement la nourriture. On s'enregistre. Vous allez voir le taux de personnes qui ont faim. Et la famille peut appeler à la sorcellerie après. Tu ne dois pas regarder le monde car... D'autres sont là juste pour vouloir te mettre mal à l'aise. Merline Kamela, j'ai l'énergie pour eux. Quand parfois je les ignore, c'est moi qui veux les ignorer. Et c'est pour l'énergie, pour parler. Je peux parler d'eux chaque jour. Et je fais mes œuvres humanitaires, ça ne choque pas. Arab Power of Resilience. Donc j'ai le pouvoir de la résilience. Arab Power of Resilience. I'm a phenomenal woman. Je suis une femme. Maman Menzunje. Maman, mais je veux te dire, vous ne comprenez pas ça. Hein? Demande à ceux qui m'ont déjà vu, ils m'ont dit. On ne m'aborde pas facilement. Hein? Il y a que les âmes pures qui m'abordent. Les âmes compliquées me fuient mal. Ah bah, oula. Bonjour, ma, et ton nouveau
et ton neveu, tu l'as retrouvé. Esther, t'a regardé. Mon neveu, on lui donne même bien les habits. Hein. Mon neveu, il y a les gens même qui l'ont même donné les sachets d'habits. Ah, là-bas, en route là-bas. On lui donne la nourriture. Il y a les gens même qui m'appellent. Oh, j'ai donné la nourriture à ton neveu ce matin. J'ai donné la nourriture à ton neveu hier soir. Oh, j'ai donné les habits à ton neveu. Donc, mon neveu est maintenant pris. Vous avez vu comment Dieu fait les choses, les réseaux sociaux. Vous avez vu comment Dieu fait. Mais tu ne peux pas seulement l'arrêter pour longtemps. S'il voit que tu es dans Dieu, il va l'arrêter pour longtemps. Là, il va fuir. Il est très fort. Hein? Il est très fort. C'est un baobab. Hein? Il est fort. Oh. On dirait la force qu'il a, ce n'est pas. Tu veux connaître. Il ne veut pas qu'on l'encarte. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on le mette dans une place de Jacques comme ça. Il ne veut pas. Il veut sa liberté. Donc, laissez-le seulement comme ça là. Mais grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on le connaît déjà là. Les gens lui donnent la nourriture, elle doit là comme ça. Partout, il passe. Partout, il passe, on appelle ses manques. Au terre, on lui donne à manger. On donne les habits. Donc, où il est là, hein? C'est un fou. Un fou, pas comme les autres fous, maman. C'est une star de fou. Ah oui. On m'a appelé hier qu'on l'a vu hein, derrière la boutique de mon parent à Neubel là-bas. Il mangeait le poisson brisé. Un poisson brisé. Les gens qui m'ont appelé ne pouvaient pas l'arrêter. Donc on l'a vu là. Mon cousin, mon petit frère est parti le voir. Il est bien parti. Je suis à l'Orbessou. On m'appelle qu'on l'a vu à Neubel. Puis ton dessus en direct, je te rappellerai, fini par dessus en direct. Merci. On l'appelle qu'on l'a vu. On l'a vu au Broutarudien. On l'a vu à telle place là. On m'appelle, on l'a vu à telle place. Personne ne peut l'arrêter. C'est très possible, ma reine. Regarde, hein, regarde juste ce qu'on jette tous les jours. Ça pouvait nourrir les pauvres. Merci, Denis Madeleine. C'est dommage, son nom est partout. Sur la toile, courage à toi. Oui, son nom est partout. Il ne peut pas qu'on l'arrête, maman. Je t'ai écrit une bourse. Ok, maman, mais il veut regarder, maman chérie. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir les subventions pour personnes handicapées au niveau de l'État camerounaise. Grâce à tes œuvres, l'État camerounaise peut prendre soin de nos handicapés. Merlin Kamela, voilà ma mission sur Cameroun en Afrique. C'est ça ma mission. Voilà c'est ça. Je vais envoyer ça comme message, Merlin. Bon, viens m'écrire que. Oh, c'est monté, c'est samedi. Vous ne me connaissez pas bien. You don't know me properly. I'm an instrument of God. Je suis un instrument de Dieu. Jetez-moi la pierre où vous voulez. Mais attendez cette pierre retourner contre vous. Attendez la pierre là-bas retourner contre vous. Faites gaffe. Tu as ta vie bien. Tu vis heureuse. Tu fais tes choses bien. Sans problème. Ne viens pas porter la malchance sur la page de la reine galloise. Je vous dis ça chaque jour. Vous ne comprenez pas. Ah! Je vous dis ça chaque jour. Vous ne comprenez pas. Essayez, non? Essayez. D'autres ont essayé, ils ont vu. Essayez. Il faut essayer. Alors, non. D'autres ont essayé. Voilà pourquoi beaucoup sur la toile me fuient ces mains maintenant. Beaucoup sur la toile m'évitent même ces mains. M'évitent. Essayez. On a essayé. Même enfant profil, essayez. Oh, mais tout, là, que dire. Mon gars, que dire. Ma tu me doubles. Les restaurants de cœur dans ce pays, vont aider beaucoup de personnes. Salam alaikum la reine galloise, courage. Oh, Bolo Touré, walaikum salam papa, merci infiniment. Les restaurants de cœur dans ce pays, lesquels il faut j'aille. Oh, yeah, maintenant, appelle le taxi, le pardon. Je vais à Neubel, il va comme ça à Neubel, il est 9h. Les magasins ouvrent le jeudi à 11h. Le jeudi, les magasins ouvrent à 11h. Il va quitter ici à 10h30. Le temps d'arriver là-bas à 11h sera ouvert. Le jeudi au Cameroun, le magasin ouvre à 11h. Je vais comme ça à Neubel pour chercher le riz. Pour acheter les provisions de demain. Préparer, il y a les provisions de demain pour les actions sociales. Pour la remise des dons aux parents là-bas. Envoie les cœurs et partagez le direct. Envoie les cœurs et partagez mes amours. Envoie les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Envoie les cœurs et partagez le direct de l'instrument de Dieu. Envoie, je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h30 jusqu'à midi pour le partage des dons aux actions sociales diaspora africaine. Toute personne qui donne les dons là-bas reconnaît son don quand je donne. Quand je partage. Toute personne qui donne les dons. Et nous sommes bientôt à manque de pampers.
en manque de couches jetables. Donc, si maman Géraldine Tchoudou paie le riz, et maman Meni Rapi donne aussi son argent, ce qu'elle va donner, ou bien celui qui a donné aussi, je veux prendre l'autre argent pour payer les couches. Pour payer les couches jetables, comme ça les enfants ne vont pas manquer les couches. C'est important les couches jetables pour les enfants avec la paralysie cérébrale. C'est très important. C'est ensemble que l'union fait la force, mes chers frères et sœurs. C'est ensemble que l'union fait la force. C'est ensemble. Et ces personnes qui disent qu'ils ne voient pas là où l'argent part, là, cherchez toujours à connaître là où l'argent part et vous ne contribuez pas. On va tout faire tout dans la transparence devant vous, allez voir. Si l'argent de ma soeur paye à l'érie, l'argent de notre soeur va payer les pampers, les couches jetables. Demain, ils ne vont pas manquer de couches jetables. Et les bienfaiteurs qui viennent aux actions sociales, qui comptent venir les jours à venir pour donner les dons là. Pardon, mes chéris, n'oubliez pas les couches jetables, s'il vous plaît. Surtout le numéro 4 et 5. Les couches jetables numéro 4 et 5, c'est très important, pardon. Couches jetables numéro 4 et 5, pardon, mes chéris. Et même les grandes couches des grands-enfants là. Parce qu'on a encore Emmanuel, qui est encore là aux actions sociales. Emmanuel est encore là, il n'a pas 17 ans, il n'a pas 16 ans. Parce qu'à 16 ans, on arrête avec les parents. À 16 ans, on arrête. Quand un enfant a 16 ans aux actions sociales, je ne peux plus faire, il ne peut plus rien faire. Il va seulement aller maintenant que voir le ministère du social ou bien aller ailleurs pour qu'on puisse l'aider. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Audrey, Emmanuel a quel âge? Oui, c'est tout le territoire camerounais. C'est ça, chérie. Merci, maman Sidonie Madeleine, pour les cœurs. Merci, mes amours, pour les cœurs. Merci, mes chéris. J'ai dit et j'ai été encore ici, là. Ouvrez des structures, même vous-même qui avez des robes, là. Ouvrez, appelez. Et faites attention, hein. Ceux qui préparent la nourriture pour vous, là, pour donner aux gens, là. Soyez aussi là pour voir qu'on empoisonne pas cette nourriture. Parce que demain, il y a le poison au Cameroun, que même si vous faites donner aux gens, là, que vous ne pouvez pas aller nourriture pour donner aux bas, peuple, ils auront même peur que... C'est pas le poison ça. Pour les amener déjà à comprendre que c'est pour les aider. Faites déjà une campagne par rapport à ça. Pour qu'ils s'attendent à ça. Et ceux qui préparent la nourriture là, soyez sûrs que c'est des personnes de confiance. Parce que le Cameroun est très mauvais. Soyez sûrs, prenez des gens vraiment confiants, comme la reine galloise là. Méditez. Prenez le temps de méditer, demandez à Dieu. Ne fais pas un combat qui n'est pas ton combat, s'il te plaît, ma chérie. Sinon, tu auras les problèmes derrière. Médite, remets-toi entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te montrer plus clair pour que tu fasses le combat comme la reine galloise là. Parce qu'il y a des gens que tu peux prendre pour cuisiner. On cuisine seulement les gens dans la rue. Et il faut aussi être là. Tu cuisines aussi toi-même. Tu cuisines aussi toi-même pour les mettre en confiance. Donc tu fais la cuisine là. Tu les sers avec amour. Tu ne les sers pas en les méprisant. Si quelqu'un veut faire le genre, il va te mépriser ou bien il va faire n'importe quoi là. C'est où tu viens avec le mépris. Montrez-les que tu es en train de travailler pour le Seigneur. Dans vos instituts de cœur, la restaurant de cœur là, exigez les cartes d'identité. Exigez la carte d'identité. Ne donnez pas sans carte d'identité. Ayez un registre pour avancer le numéro de carte d'identité de ces personnes-là. Comme ça, le monde entier, quand vous allez prouver aux gens que vous faites des choses, c'est par rapport au CRI. Tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as pas de nourriture. Ça va me les pousser à aller chercher la carte d'identité, aller chercher à faire la carte d'identité dans ce pays-ci-là. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens camerounais qui n'ont pas de carte d'identité. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas de carte d'identité. Ce sont des enfants de la rue, donnez-les, ne vous inquiétez pas. Mais voyez l'âge des personnes qui demandent la carte d'identité. Des personnes à partir de 21 ans, exigez la carte d'identité. Exigez ça. Ceux qui parlent vont finir par rester tranquilles. Car le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Courage, 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 courage. Je t'embrasse. Merci, maman Merline. Merci, maman chérie. Mes amours de frères et sœurs, je vais prendre mes sœurs qui m'ont promis les dons là en direct maintenant, la poser avec eux pour les expliquer certaines choses. Et je vais aller faire mes achats. Je ferai une petite vidéo pour remercier toutes ces personnes-là. Et demain, on va encore les remercier en direct. On partage. On va les remercier encore en direct. Merci infiniment. Nous faisons tous dans la transparence. Pardon. Contactez-moi pour mon passeport, pour mon visa qui est périmé là. S'il vous plaît, mon visa est périmé. J'ai besoin du visa ici là. Je dois aller faire les courses pour les actions sociales à l'ouest et au sud. Et au centre. Et si je n'ai pas de visa, je ne sais pas si on va m'arrêter en route. Comment ça va se passer? Vous ne m'avez pas répondu par rapport à ça. Si je n'ai pas, de visa valable, qu'est-ce que les officiers vont dire? Ils vont me faire. Ils vont me brutaliser. Ils vont m'amender.
Ils vont me laisser mon passeport, ils vont faire comment, je ne sais pas. Donc j'ai besoin du visa ici, s'il vous plaît. J'ai besoin du visa du Cameroun ici, là. Appelez-moi et envoyez vos relations derrière moi. Là, je vais là-bas, vous payez, vous-même, vous mettez, on me met le visa. Parce que l'argent, je vais repayer là, c'est mon argent, je gêne les enfants handicapés. J'ai pas envie de prendre l'argent sur mon argent pour le visa, pardon. J'ai pas envie de prendre l'argent des enfants handicapés pour le visa. Donc aidez-moi même aussi, soutenez-moi en m'aidant, on me met le visa d'un an, même si c'est 6 mois dans le passeport aussi là. S'il vous plaît, c'est important. Mes chers frères et sœurs, aidez-moi avec le visa camerounais. Vous avez des relations, vous avez des oncles qui travaillent à l'immigration. Vous avez des tantes qui sont au ministère. Et vous m'aimez bien sur les réseaux sociaux. Vous voyez le combat que j'en bats ici là. Vous aimez les enfants, même les neveux du président de la République. Vous avez des moyens. Pourquoi me mettre le visa dans le passeport si là ça me donne les maux de tête? Donc aidez-moi et faites cela. S'il vous plaît. Parce que 5 francs, je vais dépenser sur le visa. Ici, dans ce pays-là. C'est là les enfants handicapés. Mon argent même, c'est là les enfants handicapés ici. Mon argent même que j'ai dépensé, quand on me donne au UK, j'ai maintenant mis ça sur les handicapés. Ça ne veut pas dire que je ne donne pas l'argent à ma fille là-bas en Europe. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas l'argent, même 10 000 francs dans leur compte européen là-bas. Mais la majorité va que sur les actions sociales. Donc, pardon, s'il vous plaît. Dépenser l'argent ici là pour le visa, c'est trop pour moi. Aidez-moi à avoir le visa camerounais. Mon visa n'est plus valable. Je vous envoie le message. Merci infiniment et bonne journée dans la paix. Je vous aime. Bisous.